D'accord, ok. C'est quoi ton numéro? C'est le 05 76 31 36 49. Ah, c'était un vrai plombier. Ah, le vieux, sincèrement, dis-moi, il maîtrise mon travail. Tu as quel âge? Il y a 29 ans. D'accord. C'est que si on a noté ton numéro, dès que mon robinet se casse, net, je t'appelle. Il n'y a pas de souci, le vieux. Il est ici à moto, quoi. Donc, si y a possibilité seulement, il peut décoller. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ça veut dire que tu as moto. Donc demain, il est cassé mon robinet. Il n'y a pas de problème. Merci Il beaucoup, n'y a le pas vieux. grand. Beaucoup de force, Ok, frère. merci, le vieux. Ok, merci, le vieux. Amanda Gonto. Bonjour. 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 Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Vraiment, c'est Amanda. Je fais un peu le commerce. D'accord. Je suis dans la ville de Mans. De où, s'il vous plaît? Je suis dans la ville de Mans. À demain. Ouais, d'accord. Moi, je suis à Abidjan. En tout cas, c'est un grand plaisir. C'est une grande fan. C'est un plaisir de causer avec vous ce soir. Je suis très heureuse. Ouh là là, j'en rougis. On va pas essayer de parler comme pour nous là. On est obligé de parler depuis ta position à Mans en chocolat. Comment? En chocolat. Non, je ne choque pas. En fait, là, tout a fait que ma voix est un peu partie. C'est possible, là, sinon, je ne choque Ah, pas. ok, excusez-moi du peu. Alors là, tout fait que ça choque Ma pas. voix est un peu cassée. Ah, d'accord. Il faut boire col alpha. Là, la voix va coller. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que vous racontez depuis votre position à Mans? Je suis là, je me débrouille un peu. Oh, tu te débrouilles un peu. Dans quoi? Dans la vente des chaussures devant le magasin de ma tante. Des chaussures. Des tapettes un peu d'âme là, devant le magasin de ma tante. Quand on ne maîtrise pas un mot en français, on trouve le dérivé. Quand tu dis mes chaussures, tu as tué l'amour. Tu viens de dire l'amour. C'est-à-dire que tu viens d'étrangler l'amour. Je dis, je vois un peu des chaussures d'âme là. Les tapettes, Ah, un peu d'âme des là. chaussures d'âme. Mais Et pourquoi les tu tapettes. es autant grippé que ça? Un peu. Ah, un peu seulement, pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est compliqué quand même pour que la voix sorte. Oui, parce que. En tout cas, c'est un peu difficile là où on voit là. Là où on va, c'est un peu avec la poussière, donc ça me fatigue un peu. Et là, tu es couché pour parler ou bien tu es assise? Je suis assise. Oh non, il faut te coucher. Quand on est grippé, on se couche là. Le pharynx et le larynx s'ouvrent mieux et tu arrives à t'exprimer normalement. Ok. Essaye, je vais voir. Merci. Comment? Essaye, je vais voir. Oui, essaye. Je suis couché. Ah, tu vois, ta voix est mieux sortie. C'est vrai. Merci beaucoup. D'accord. Ouais. La vie n'est pas facile. Ah non, non, non. Toi, tu es à Mans. Je pensais que tu allais me dire je suis aux Champs-Élysées et puis tu choques comme ça et tu arrives au point où tu as me dit je vends chez Su.
Mais tu as tué la mouche. Bonjour Hassan. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. D'accord, c'était juste un bonsoir et surtout vous remercier pour tout ce que vous faites. On Merci. ne le dit peut-être pas souvent assez, donc merci et puisse le Tout-Puissant continuer à vous bénir et surtout vous donner la force de, Merci, voilà, de merci. remplir la mission que vous êtes en train de d'accomplir. C'était juste un coucou. Vous êtes dans quel pays? Je suis au Niger, je suis nigérienne. Voilà, mais tu vois là, tu choques, ça va. On sent Non, que. je ne choque pas, je suis à Non. moitié béninoise, donc j'ai un On sent accent que. mélangé. On sent que c'est ta façon de parler. Mais l'autre, elle a tellement forcé qu'elle a eu une hernie dans la gorge. Non, vous comprenez que c'était la toux. Ce sont les effets de la toux. Elle avait la toux. Ouais, la vie n'est pas facile. Du Wallahi. tout. Du tout. Ça va aller, on va faire comment? On va essayer de soigner comme on peut. Et puis je soigne gratuitement là. Non, mais je pense maintenant qu'avec vos conseils, ça va. Elle pourra se reposer et puis. Non, je pense, je pense. Voilà. Donc, je vais céder ma place à une autre personne. N'y a pas de souci. Juste un bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Pardon, moi je suis venue demander de l'aide. Toi, tu es où? Tu as un accent camerounais. Je suis camerounaise. On ne pleure pas. Interdit de pleurer. Pour pas les organes vont sortir. Pardon, je peux demander de l'aide, s'il vous Je plaît. t'écoute. Pardon, je suis en vie d'aller en France et je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai 300 000. Donc le reste, donc j'ai en espèces. Donc, si vous pouvez Victoire. m'aider là. Victoire. Toi, tu veux que les Ivoiriens t'insultent. Tu n'es pas concentré là. C'est pas moi, Saline. Victoire. Les gens vont venir t'attacher. Toi, tu connais pas Ivoirien encore. Non, pas. Non, papa, comment? C'est Aline. Moi, ma fille Aline, elle dort dedans. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Kamara Raissa. Moi, c'est Hassan Nayek. C'est juste, j'ai besoin d'un peu d'aide. De quoi? D'aide? Je suis une. Je T'as fais un besoin de petit quoi? commerce T'as besoin sur de quoi? TikTok. T'as besoin de quoi? Il a besoin de votre aide. Si vous pouvez Aide. m'aider. Ah, Oui. aide. C'est le verbe aide. Aide, là, c'est quel verbe? C'est le verbe aiderait. En tout cas, j'ai besoin de vous. Je vous suis il y a un peu longtemps. Je dis à tenter ma chance, on ne sait jamais. Je vends les produits cosmétiques Le sur produit. TikTok. Oui. Sur TikTok, sur Facebook. Tu sais que le verbe être là, c'est le verbe André. D'abord, le verbe André. Le verbe André, quoi? c'est un nom. Maintenant, être là. Je veux être là. C'est quel verbe? C'est le verbe aider. Ah, Être. donc, comment? Être. Faut pas demander à quelqu'un. Il n'y a pas de demander à quelqu'un. C'est ou bien c'est le verbe aider ou bien c'est le verbe aider. C'est le verbe aider. Ah, maintenant, il faut conjuguer le verbe aider, je vais voir. C'est comme ça que je peux te faire gagner, hein? Au présent, je aide. Je aide. J'aide. Non, j'aide. D'accord. Tu as reçu encore mon aide là.
Peut-être c'est dans l'épisode de Marima où elle a giflé. Où elle a giflé, comment il s'appelle la même. Ça, mon vieux. Papyrus. Ouais, mon vieux. C'est toi qui es sur la photo, Bon, oui. qui t'a coiffé, Papyrus? Bon, mes cheveux ont poussé, mes cheveux ont poussé maintenant. Je voulais me Ouais. débarrasser un peu. Te débarrasser de quoi? Et puis, t'as Mes laissé un cheveux. canal. Allô? Comment on appelle cette coiffure que tu as une coiffure? Quand j'ai fait la coiffure, même, c'est un design, il a dit, il n'a qu'à laisser au milieu. Ah. C'est un Il a dit à mon coiffeur. design. Oui, il a dit à mon coiffeur de laisser au milieu. Tu dois pas t'appeler Papyrus, tu devais t'appeler Kirikou. Oui, il voit. Je t'écoute, Papyrus. En fait, je voulais monter un peu pour vous Mais saluer. tu es monté. Oui, pour votre générosité aussi, pour vous remercier, quoi. Pour votre générosité, ce que vous faites pour les jeunes frères et sœurs de ce On a pays. failli être même chose. Hein. Sauf que toi, Oui. tu as collé un peu. Oui. Il va falloir. Là, je me sens frustré. Un bon bonjour. Mais c'est quoi, tu as mis peinture ou bien c'est tes propres cheveux qui sont comme ça? Non, c'était mes propres cheveux. Ça a poussé maintenant. C'est pas Yomo. Non, c'est pas Yomo. Non. Mes propres cheveux. D'accord. Là, je t'écoute, frère, je t'écoute. Au fait, moi, j'ai fait mon instruction, mon le permis. Ton quoi? Mon permis, quoi. Oui, j'ai fini maintenant, j'ai fini la visite médicale. Voilà, maintenant, je suis en quelque sorte pour faire les 2 semaines de cours. Voilà, les 2 semaines de cours. Moi, je suis étudiant à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est quoi qui parle à toi, cette souris? Comment non, c'est un ami qui regarde un TikTok à hein. Faut me Il pousser. n'a qu'à couper, on n'entend pas. Oui. C'est les amis Voilà. sorciers comme ça là qui sont pas bons. Toi, tu es en train d'expliquer ton problème. Lui, il fait bruit pour que moi, je n'entende pas. Ça va bien. Faut le Oui, têter. c'est. Tête-le. J'ai la tête, mais ça te fait vite. Ta moto gâtée, tu as besoin d'aide. Voici un vieux père qui aide beaucoup. Attends, il n'est pas fini de t'aider. Tu es en train de faire bruit pour que je les aide, quoi. Non, 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 Eh ben, On dit quoi? ouais, ça va. On dit quoi? Deux. Ça va? Et oui, ça va. Sinon, c'est un peu ça. Et puis, moi, au niveau du truc, comment on appelle ça? De mon permis. Voilà, je suis en train de faire comme en Côte d'Ivoire pour faire le permis. C'est pas facile en tout cas. C'est pas facile en tout cas. Et en dehors des permis, même à moi, je pense, il passait des concours, ça marchait pas. Mais c'est avec la tête que tu as, avec les cils que tu as coupé comme pour ressembler à un petit délinquant, c'est normal que ça marche pas, frère. Tu sais que ce qu'on fait nous rattrape toujours. Oui. Donc quand tu dois aller quelque part, il faut que tu sois quand même présentable pour aller demander un travail ou passer un concours. Bon, cette coiffure, j'ai fait ça pendant 1 semaine, c'est tout. Et puis Mais j'étais là. et tes sourcils. Bon, ça, c'était pendant. Bon, actuellement, c'est plus le truc. C'est le mois D'accord. passé que j'ai fait cette coiffure, donc. Qu'on te demande maintenant pour ton permis? Comment? Qu'est-ce qu'on te demande maintenant pour ton permis? Bon, je dois aller faire le cours. Je Oui, dois tu as payer déjà ce qui payé combien? est. Bon, ce qui est payé, c'est
J'ai fini l'étape d'inscription. J'ai fini l'étape de visite médicale. Maintenant, pour aller faire le coup, puisque moi, je suis étudiant, je n'ai pas assez de temps comme ça. Donc, j'attends les vacances maintenant. J'attends les vacances maintenant. Et puis, je dois payer 5 000 francs pour avoir, je ne sais pas comment appeler ça, un carnet de présence. Voilà. Là, au fur et à mesure que je vais, on me met présent ou absent. Voilà. 5 000 francs. Oui, maintenant, après ça, maintenant, ils vont me programmer pour les étapes. Mais il y a le moniteur qui me dit, vu que toi, il y a longtemps, tu t'es inscrit, je vois que tu n'as pas le temps, mais puis, on peut gérer ça. Il dit, ah, moi, j'ai mon carnet, moi, je bosse. Et puis, j'ai l'application sur mon téléphone, je bosse, donc, pas possible. Je voulais aussi, bon, le plus dur, c'est pas trop, trop important, mais c'est pour l'aide pour la concours. Petit, tu n'es pas intelligente. Tu es venu vendre ton moniteur qui veut t'arranger. Seigneur. Oui, bonsoir, grand frère. Comment tu vas? Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu fait grâce. Qui a attiré un peu mon attention. Je veux juste dire, une personne veut de son temps, de son énergie, de ses moyens pour pouvoir vous aider, ayez au moins des idées concrètes. au lieu de venir, au lieu de venir inventer des conjugaisons. Voilà, avant de venir avancer des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui se donne les moyens de faire cette connaissance. Franchement, moi, j'étais de passage, j'ai vu ça, c'est vous êtes une personne que je suis d'habitude sur les réseaux, mais pas. Bonsoir. Donc, sincèrement, mes frères, mes sœurs qui ont besoin d'aide, nous tous, on a besoin d'aide dans la vie. Soyez, ayez un peu d'aide. Merci. Merci beaucoup, Alichou. Un bibi touche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tonton Hassan. Bonsoir, tanti, bibi chou. Bibi chou. Bonsoir, tonton Hassan. Oui. Bonsoir, là, c'est combien de fois tu m'as dit? Il n'y a rien de grave, je vous apprécie beaucoup. J'apprécie l'effort que vous faites. C'est Merci. vraiment gentil. Merci. Vous êtes quelqu'un de bien. Merci. Yeah! Attention. Oh, Moi, il n'y Siri, a rien Siri. de. Siri est parti. Oh, mais il était là. Je Moi, il l'ai n'y a rien accepté. de. Moi, il n'y a rien de grave. Il y a besoin de. Il y avait mon salon. Mais j'ai libéré. Bon, je suis maquilleuse. Je suis dans la commune d'Agnamont. Il y avait mon salon. J'ai libéré actuellement. Je veux faire un autre coin. Donc, j'ai vu que vous étiez en live. Je suis venue, j'ai dit, ah, pourquoi pas, je vais tenter ma chance. Je vais demander à monter pour tenter ma chance. On ne sait jamais. C'est vrai, sauf que Ça ici, ce n'est pas l'auto. Donc, toi, tu as un magasin, tu as libéré ton magasin. Et puis, tu sors pour tenter ta chance pour que moi, je prenne un magasin pour toi. Souvent, mais il faut croire les gens. Hein. Habillé même, il faut croire les gens. Quand tu es venu tenter ta chance. Hello. Allô? Oui, bonsoir, papa Hassan. C'est toi qui t'appelles bébé Brunel. Ouais, Brunel, Brunel. Ah oui. Tu t'appelles bébé Brunel, tes garçons. Oui, Brunel.
Petit fier. Oui, Brunel. Oui, Brunel. Bon, voilà, Brunel, t'es descendu. Garçon, tu vas t'appeler bébé. Et puis Brunel. Non. Et puis t'as monté sur mon live. C'est fort. C'est très fort. Et Allô, Massa. Hassan. Oui, c'est Lacoste. Oui, c'est Monsieur Bamba, non? Comme j'aime la marque Lacoste, là. Monsieur, c'est Monsieur Lacoste. On dit quoi? Oui, ça va, mon vieux. Et chez vous? Ça va, ça va. Ah, Dieu merci. Ok, mon vieux, rien n'est grave, non? D'abord, j'aimerais vous remercier pour tous tes bienfaits. Mais dans la vie, le bienfait n'a jamais perdu. Voilà. Je vous suis il y a longtemps. Voilà, moi, un petit peu. Et toi, tu reviens ma demande pourquoi? Non, en fait, il y a Serge qui a essayé de. Maintenant, il n'y a plus de 80. Attends, je vais m'occuper de ça. Quand j'étais en train de. Quand j'étais en train de. Supprimer, et c'est toi qui supprimer, et fais c'est toi qui la faisais la bague. Attends, je m'occupe de ça. Lacoste. Oui, mon vieux. Ouais, on t'écoute, tu avais écho. Oui. Ok, mon vieux, moi je suis un vendeur d'habits, non? Voilà, habits, vêtements, hommes, les brodes. Voilà, j'ai mon petit magasin. J'étais au quartier, comme ils sont en train de casser les coins là. Voilà, donc ils ont cassé mon coin. Donc, je cherche un coin à me concentrer là-bas. Bon, sincèrement, il y a eu un magasin. Je suis à Divo. J'ai eu un magasin. C'est le prix des magasins qui me fatigue actuellement, non? Ça te fatigue? Sinon, il y a tous mes accessoires. Oui. D'accord, faut prendre deux effralgans. Fatigue va passer. Oui, Nounours, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai un petit souci. Ça fait 2 ans que j'essaie d'aller à l'école, mais c'est un peu dur. C'est vraiment dur au point où la première année, j'ai suspendu les cours au premier semestre. Et cette année encore, j'ai fait la même chose. Je me suis arrêtée. Là, je suis toujours à la maison. Et entre-temps, je me débrouille, je fais la coiffure de temps en Excuse-moi, temps. excuse-moi, excuse-moi. Oui. DM Prod, pourquoi vous parlez mal? Parce que c'est mon direct et parce que si tu n'es pas content, tu vas aider la personne parce que la personne, elle sort avec son nom. Vrai papa de Rafna. Et même si tu penses qu'il ment, évite d'humilier. Tu n'es pas content, tu rentres dans leur inbox et puis tu essayes de les apporter de l'aide. Mais sur mon Mais direct. sur mon direct, Je fais ce que Ah, j'ai t'as envie reçu de mon faire. message? Où ça? Où ça? Regarde sur WhatsApp. On t'écoute, nounours. Oui, alors je disais tantôt que je veux aller à l'école, mais c'est assez compliqué. Du coup, j'ai laissé l'école pour faire maintenant la coiffure pour avoir un peu d'argent. C'est un peu compliqué parce que je fais des prestations à domicile. J'ai pas encore d'endroit où me situer en fait. Attends une seconde, une seconde. N'y a pas de souci. Tu sais que je connais rien dedans. Tout à l'heure, j'étais en train de rentrer dans le menu et pour essayer de voir
si je pouvais acheter une carte de crédit dessus. J'ai dû enlever des choses et puis changer des choses sans comprendre quoi que ce soit. Donc, tu partais à l'école et puis tu as arrêté d'aller à l'école et puis c'est dur et puis tu fais coiffure, c'est ça si je comprends bien? Oui, c'est exactement ça. Et toi, tu es où? Je suis au Gabon actuellement. Ah, tu es au Gabon, ma chérie. C'est C'est loin loin. pour moi. C'est loin pour moi. Paramètres. Paramètres. Améliorer, interagir. Mais je vois pas modérateur, hein, Mehdi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Oui, ça va, je vous. Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Ah, voilà, c'est Cyril qui est en ligne. Ouais, bro. Mais. Non, rien. C'est pour ça que j'essaye de te trouver, en fait. J'ai vu ton invitation et puis ça a disparu. Allô? Allô? Excusez-moi, excusez-moi. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, papa. Toi, faut parler, frère, parle, parle. D'accord, rebonsoir encore, papa. Je suis Cédric, étudiant en droit à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Je suis par ailleurs un commerçant, voilà, de la nourriture. Je vends un peu de tout, je vends soupe de mouton, soupe de cabri et tout, tout au niveau des cocodis. Je fais des livraisons aussi à domicile. Voilà, j'ai vu votre live et je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé ici quoi, pour avoir de l'aide en fait, pour agrandir un peu mon champ de commerce. Il y a pas longtemps, je vous ai écrit sur Facebook, mais bon, j'ai pas eu de site. D'accord, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Monsieur Sérédi, bonsoir. Va là-bas, faut laisser le monsieur s'exprimer. Ah, ok, attends, je vais le laisser s'exprimer, mais s'il te plaît, mets ta caméra, tu me manques, bébé. Il te manque un petit peu. Ça veut dire que j'ai reconnu que. Oh là là, quelle beauté, waouh! Le frère parler. Le frère, D'accord. il faut parler. Austin, faut parler. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, mon vieux Sérédier. Asseoir au papa. Ah, c'est. C'est D'accord, il n'y non a pas de direct. souci. Il ne parle pas dans les lignes de série ici. Il n'y a pas de Assez souci. bon, nous même goût. Donc, c'est comme ça, je Alors, vous ai il n'y a pas envoyé. qu'un de te répondre. Je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé une demande que j'ai rédigée sur votre page Facebook. Voilà, mais je n'ai pas eu le site. Voilà, j'ai dit dans la demande que j'ai besoin d'aide pour agrandir mon champ de commerce, qui est la vente de soupe de cabri, soupe de mouton et autres. Dieu merci, je suis tombé sur votre live aujourd'hui, donc je voudrais profiter pour vous parler de ça. Donc, qu'est-ce que tu as besoin exactement? Bon, j'ai besoin d'une aide financière pour agrandir mon champ de commerce. C'est-à-dire. C'est-à-dire que pour faire les coins de nourriture, il faut chercher une place. Il faut payer les équipements, c'est-à-dire les ustensiles de cuisine. Donc, Jean, toi, tu fais un commerce là, D'accord. mais tu n'as pas d'ustensiles, tu n'as rien en fait. Non, en fait, j'ai dit que je veux agrandir le champ. Le C'est-à-dire champ que de quoi, frère?
le champ de commerce, c'est-à-dire que je suis basé à Cocody, cité Mermoz. Et là, je vais un peu aller dans d'autres quartiers, c'est-à-dire Angré, Palmeret, tout et tout. Donc, pour faire ça, il faut avoir une aide financière, il faut avoir les moyens. Mais j'ai pas assez de moyens pour agrandir. C'est comme ça que je vous ai écrit un jour sur Facebook. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va voir ça tout à l'heure. Hein? Ophélie Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, j'ai vu votre live. Et en fait, moi, j'ai juste besoin d'un prêt financier. Parce d'un prêt? Tout passe pas. Prêt financier. Remboursable. J'ai pas compris. Moi, j'ai besoin d'un prêt financier. Ça, c'est dans les micro-crèdes, ma chérie. Nous, on fait pas de... Assez. Et bébé You, toi, tu fais les crédits financiers. Il faut les avoir fini par aller. Toi, me dis là, où sont mes chiens? Où sont mes chiens? Donc, bro. Donc, bro. J'ai dépassé. Pensez pas que tu peux me demander sa vie. Le gars qui vient, Je vais te montrer, si tu dis tu veux ça là, je vais te donner, voilà, il faut regarder. Bonsoir monsieur. Pardon, Josie, il faut te calmer, actuellement c'est chaud, on attend de donner les animaux aux gens. Ok. Gloria. Bonsoir Josie. Bonsoir Sérédier, comment vous allez? Gloria, mon nouveau chat. Ça va bien, maman. Regarde mon petit chat là. Il te ressemble. Quand tu appelles les petits chiens, voilà. Il va t'envoyer un chat maintenant. Il dit ton chat là, tu ressembles. Voilà Josie qui est là pour parler à maman Josie. Ça, c'est quelle heure ça? Plus jamais, moi, il va prendre jusqu'à jamais. Voilà ça. Ah, faut parler avec la maman là. Ah, Josie, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan. Comment vous allez? Oui. Ça va, Dieu fait grâce. Ok, il n'y a rien de grave. Je suis montée pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens et autres. Merci à toi. J'ai essayé de vous contacter sur Messenger, mais je n'ai pas eu de suite. J'aimerais travailler avec vous, c'est-à-dire contribuer. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais comment aider les gens en Afrique, je vais dire. J'ai essayé de vous contacter pour cela, mais je n'ai pas eu de suite. Sur quoi vous m'avez essayé de me contacter? Messenger. Bon, ça dépend si c'est mon vrai compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des comptes à mon nom, en fait. En fait, c'est surtout ça le problème. J'ai quand même douté un peu. Mon Messenger, il a un trait bleu à côté de lui. D'accord. Un tableau officiel, c'est certifié. C'est écrit là-bas. Bonsoir, monsieur. Oh là là, le roi 12-12 est avec nous. Bonsoir, monsieur. Oui, le roi 12-12, bonsoir. Ça connaît mon... Nous donne la émission en direct avec vous. J'ai rampé ou bien? Pardon? À quoi de serré, j'ai dit? Ah, à quoi de serré? Avec vous-même. Ah... Le roi, je mets en bas de toi. Le roi. Pardon? Le roi, c'est quoi? Ouais. C'est comment le roi? Ouais, ça va, c'est réduit. Tu vas faire comme le père d'Aloua. C'est touchant, c'est talib, mais t'as travaillé. Ou bien toi, tu vois ça comment? Non. Je n'ai pas fait ça, le père d'Aloua. On dit quoi, frérot, tu vas bien? Bon, rien de grave. Comme je vous ai vu en direct là.
J'ai passé un petit peu de François. J'ai fait monter quelqu'un. Ça fait plaisir. J'ai fait monter quelqu'un qui va te donner la joie de vivre. Attends. T'as la main, ta caméra. C'est comment? Il pensait que c'était, comment il s'appelle, le fou là. Mouloukoukou. Il pensait que c'était Mouloukoukou. T'as là, ça va? Mais ça crée un problème, hein, Mouloukoukou. Parce que j'ai fait monter Mouloukoukou, j'ai dit que lui n'est plus mon fils. Tala est mon fils. Il a insulté Tala, il est parti. Ah, non, je te crée honte. Tala, c'est comment? Ça va? Ça va. Ok, ça fait plaisir. Ça va. On est ensemble, ça va, par la grâce de Dieu. Mais fais on se voit maintenant. On se voit chez les chauves là. On se voit là-bas. Non, mais lui, il est au Cameroun. J'ai promis de l'envoyer dans 2 mois du Cameroun à Abidjan. Ah, il est au Cameroun. Tu es au Cameroun, t'as là. Et puis, il fait du social. Il est au Cameroun. Bon, on t'attend. Je me présente devant toi encore. Papa Hassan a décidé de m'adopter comme son fils au Cameroun. Donc, c'est direct. Ok. Tala, si c'est direct, j'ai 2 fils. J'ai Serédi et puis j'ai toi. Donc, Tala, je suis sûr, j'accepte que ce soit ton père, mais s'il te plaît, sois pas chauve comme lui. Je te demande pardon. Pardon. Pour prendre soin de tes cheveux, pardon. Et c'est vrai que laisse-moi un peu t'expliquer un peu ce que je fais. Bon, Tala, je vais laisse Tala parler à ça. Non, mais on a des gens qu'on doit faire monter. Tu sais qu'il y a des gens qui veulent te parler. Ils veulent Tala, te voir. Tala, on se parle après. Tala. Je vais prendre ton... faut prendre mon truc... tu as vu ma page, non? Mon TikTok. Faut m'écrire. Après, je vais t'appeler, on va se parler à deux. T'as compris, non? Ok, Tala. C'est mon fils. Okay, tout à l'heure. Morija, bonjour. Bonjour, le père. Ouais. Quel honneur. Quel honneur vous me faites. Vous me faites un honneur. C'est vrai, Dieu. Non, on est là, c'est moi, bien, c'est lui. Non, il faut qu'on se dise. Bon, non, Réa, si c'est vrai, tu es venu pour faire les trucs qui s'y n'aiment pas. Je n'ai fait rien, j'ai dit quoi? Réa, ton direct, il sent là. Moi, ici, là, vous dites Dieu merci. Enlève ton chapeau, tu vas voir. Hassan Ayek, merci. Merci pour ce que tu fais pour les Ivoiriens. Et je te sens comme une personne vraiment. De cœur. Je ressens ce que tu es en train de faire pour les Ivoiriens. Je le sens personnellement. Étant une personne de grand cœur, comme toi, oui, parce que je suis une personne de grand cœur, on va parler en Ivoirien. Mais laisse-moi parler à Serédié. Faut parler. Serédié. Aujourd'hui là, je n'ai jamais osé. Maman, tu vas bien? Je n'ai jamais que je vais bien, pardon, attends, j'ai parlé. Merci. Merci pour l'amour que tu donnes à cette fille-là. Merci d'être pour cette fille-là. Oh, pardon. Ça va pleurer, maman. Il faut garder cette fille-là. On tu vois, aujourd'hui là. On a tellement détruit cette fille-là par nos commentaires, par nos agissements. Merci d'être là pour cette fille. Dieu va faire. Pardon. Dieu va pas pleurer, serré. Toi, s'il ne faut pas pleurer, sinon il te fait du souci. Garde cette fille-là. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de ce que j'ai vu. Et je sais que tu es là pour elle. Pardon. Dieu va faire. Laissez les petits tic-tac des maracana là. Faut laisser les maracana là. Laisse les maracanas là, on a vu, tu t'es montré,
avec cette fille-là. Laisse les maracanas. Pardon. Non, pardon. Reste elle, là. Elle, elle veut là dire que tu n'as jamais été un bon joueur de foot, tu es un joueur de petits poteaux. Oh, vraiment. Qu'est-ce qu'il raconte, lui-là? C'est mieux même, viens faire moi. Toi, tu es dans mon cœur. Tu gères ça comment? Tu es dans mon cœur. Arrête tes tactiques comme ça, là. Maman, je suis... Honnêtement, serait marié à deux personnes. C'est à moi et puis à Josie. Moi, tu connais pas. Mariage, là, maintenant. Moi, j'ai officialisé jusqu'à rester marié, mais avec Josie, là. Serait ouais, Jo, même. On va la féliciter. Il n'a qu'à laisser les maracanas. Edo. Mmh. Oh mon Dieu, Edo. C'est trop beau. Mmh. Reste comme ça. Reste comme ça. Reste comme ça. Reste comme ça. Je t'aime bien comme ça. Tu es un bon homme. Tu es un bon garçon. La vie nous donne des fois des leçons et tout. Mais reste comme tu es et ne change pas. Okay? Merci, maman. Maman. Merci maman. Beaucoup, maman. Descends. Serré, dans ton absence, j'ai créé une superstar, une méga star qui était chez moi tout à l'heure au restaurant. Et s'il te plaît, ouvre tes oreilles, tremblez. Oui, papa. Et mets ta caméra, tu commences pas à chanter tant que je t'ai pas donné le feu vert. Oui, papa, mais courant à couper chez moi, tu pourras pas me voir. D'accord. Voilà, c'est ça qui fait ta voix ou bien. C'est pas grave. Faut allumer parce qu'il y a la lumière de ton téléphone. Donc, s'il vous plaît, les personnes connectées, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes accroupi, mettez-vous à plat ventre. Si vous ne tremblez pas après ce que vous allez écouter, c'est la seule voix qui te donne envie d'aller au pont et te jeter d'en haut jusqu'en bas. C'est le trembler. Il y a dans ton direct. Pardon, une seconde. Tu dois écouter trembler, les montants à cause de toi. Trembler, vas-y. Tu commences par le Trembler, il se moque de toi. Si moi, je dis toi, il chante pas. Il est en train de se moquer de toi. C'est comme ça, il est. Trembler, tu es où? Il allait chercher le courant, wallahi. Yeah, Ash, faut arrêter tes conneries. Où les îles de la paix de la gueule, gars? Non, faut attendre. De la gueule, gars. Attends ça. Oh, faut pas faire ça. Attends. Mais j'attends, je vois rien. Il va venir, il allait chercher le courant. Oh, t'as des guéguets. C'est comme un frérot. Il va te laisser dans ton direct. Tu vas où? N'hésite à bouger. Bien, dis-moi la chaîne tu veux. Il est off. Dis-moi la chaîne tu veux. Bonsoir. La Gabonaise. Hein? Je pensais que l'air était vite. J'avais dit, bah, j'ai tenté ma chance. Ah non, non. La Gabonaise, non, attends un peu. Où est la partie? Attends, sérieux, mon vieux, tu veux quel chien? Dis-moi. Je veux un mâle ou femelle? Tu veux une femelle? Il veut, non, ouais. il veut un attends, monsieur le chauve, il parle pas de toi. Il parle avec l'homme qui a cheveux là. Il demande, vieux, tu veux un rod femelle ou mâle? Je veux un mâle. La foi, tu auras cette semaine là. Il n'y a pas de drame. Hein, la Gabonaise, bonjour. Bonsoir. Bonsoir à vous. J'espère que tout le monde va bien. Ça va. Bah, moi, si je suis montée, c'est pour tenter ma chance. C'est déjà vous dire que, monsieur Hassan, je suis fière de vous depuis le Gabon. Je vois ce que vous faites dans votre pays. Et sachez que nous, les Gabonais aussi, on vous regarde depuis ici. J'aime beaucoup le peuple ivoirien. Je vais basculer aussi, monsieur Seridier, vraiment félicitations pour ce que vous faites pour José, parce que moi, depuis ici, je l'aime beaucoup, cette dame, et je trouve qu'elle est vraiment forte. Avec tout ce qu'elle a vécu là, elle est restée debout. C'est une artiste que j'admire énormément, alors là, on n'est pas aidé. Et moi aussi, je suis artiste en herbe
Et je me cherche encore dans la musique. J'ai participé à The Voice Africa au Nigeria. J'ai représenté mon pays et tout. Mais bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu la grâce Ah, ça va, l'herbe n'a pas de propre. Comment ça? Comme c'est Vous en avez herbe dit? d'abord. Non, bah, je dis pas trop. Alors, C'est pas en herbe parce que. faites-nous, chantez-nous quelque chose pour José, on va écouter. Avec ma voix cassée là, vous voulez que j'essaie un truc? Ben oui, bien sûr. Vous voulez écouter quoi d'abord? Active ta caméra déjà. D'accord. Bonsoir. Ah, salut. Voilà, désolé, je Salut. suis en disant. D'accord, on t'écoute. Qu'est-ce que je vais chanter? La gabonaise. Oui, je Et m'appelle Dylan Fleur. Je m'appelle ah, Dylan d'accord. Fleur. Restaurant La Fleur Gabonaise, c'est pour mon resto en fait. D'accord. Je m'appelle Dylan C'est Fleur. mieux, faut pas chanter, faut pas l'écouter. Non, elle n'a qu'à Ah, chanter, c'est comme ça. elle va chanter, Écoute, toi, tu vas faire non, je quoi? vais chanter. Elle va sa chanson. Tu vas faire quoi avec Non, sa elle va chanson? chanter. Moi, je peux la produire. Depuis quand? Moi, Les gens j'ai un studio qui s'appelle t'appris, Chama les gens Production. t'appris depuis. Oui, va ton studio Chama Production, y a pas de problème. Mais Je peux commencer, je peux commencer combien de là. personnes qui Vas-y, chantent depuis, vas-y. tu les envoies au studio combien de fois? Can me softly with this song. Can me softly with this song. Telling my whole life. What is why killing me softly? Where they saw, oh. Désolée, je suis là-bas un peu. Vas-y, là, allez. Mais Je suis grippée, en elle a failli me dépasser un fait. peu. Elle a... Les femmes de José Oh, Les femmes de José je suis trop dorment fan près de de José. Dites-lui que j'enlève de là où elle est. Là où elle est. Si moi j'ai fait comme pour elle là, ça t'évanouit. Je vous assure, monsieur Hassan, je vous en prie, je profite vraiment de l'occasion pour vous demander de m'aider par rapport à ça, par rapport à ce côté musical là, j'en peux plus. J'en peux plus, mon Dieu, la musique c'est mon truc, mais là, j'ai déjà essayé ici. Si vous voulez, je vous envoie des trucs et tout. Je sais pas, là, je sais plus quoi faire. C'est Je pas sais toi plus. le problème. C'est les Gabonais, y a caillou dans leurs oreilles. Tu n'es pas faite pour Ah, rester au Gabon, en fait. je Tu suis dois vivre. C'est-à-dire dépassée. que je sens, il y a l'onction qui me dit, quelque chose vient de me parler tout de suite pour me dire que toi. Toi, tu devais vivre. Non, mais papa, ça vraiment, c'est pas faux. Hein. Je vous assure que Oui, tu dois. Il y a une je vais voix vraiment qui est en train de me essayer. Je parler. sers, je Pendant que sers, je vous parlez, sers. C'est quoi? reçois, Je reçois, sers. reçois ma fille. Tu vas aller en Je Amérique, reçois. reçois. Non, papa. Je Reçois. reçois. Non, je préfère T'as bien commencer reçu. par la Côte d'Ivoire d'abord. Je n'ai pas entendu. Voilà en Amérique, en En Côte Eddie, d'Ivoire, il y en a beaucoup. Eddie, Faut aller en Amérique. Eddie, mais petit, tu es insolent. Tu es insolent même. Non. Tu veux chanter avant les gens. En plus, tu es comment même? Non. Bro, en fait, tant que c'est loin, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas envoyer des chanteurs concurrencer nos chanteurs ivoiriens. Mais c'est pas grave. Est-ce Ah non, non. que avant là, si David Monsot là, il produisait Fally Ipupa, non? Bon, si ceux-là viennent, les bébés sans os de main, les managers ont confirmé, ceux-là vont chanter Maria comment encore? a confirmé, il n'est plus dans ton truc. Lui, il est au state maintenant. Hein. Lui, il cherche Oui, il à fait faire les feats mannequinat. avec. Non, hein, il cherche à faire les feats avec les Rihanna, tout ça. Tes trucs que tu dis, faut pas le mener dedans. Hein. Aïe, tu rigoles. T'as pas vu sa vidéo en anglais? J'ai vu comment il parle en anglais.
Je parle anglais mieux que toi-même. Je sais. Non, mais est-ce que toi, tu sais comment moi je parle anglais? Si tu veux, on peut essayer. Ok, vas-y, on parle anglais un peu, vas-y. Tu as eu la chance. Attends, est-ce que Mimi va partir d'abord? Yes, hello. Est-ce touche? Mimi, hello. Monsieur. Yes, how are you? C'était moi. Ça va. Wait. Fais-moi descendre. Bonsoir. Bonsoir, maman. Fais-moi descendre, s'il te plaît. Tu passes des assis sur l'escalier et puis tu vas descendre, quoi. C'était un bonsoir, je vous dis, on vous fait un petit coucou. Merci. Donc là, tu as dormi. Attends, je vais te poser une question. Yes, donc, you can. Quand tu fais tes directs, c'est quoi? Tu fais descendre les gens, tu fais monter. Quand English, tu veux. Please. English. Ok. J'ai compris. Where do you go? On parle pas comme ça. Va avec l'accent un peu, frérot. Joe. Ah, you are very mimi this night. Regarde, je te promets, je te pose, j'en peux plus de toi. Merci beaucoup. Hein? Que Dieu te garde. Ciao. Je de toi. Dans 2 semaines. C'est trop. Quand vous voyagez, quand vous ne pensez pas à moi, quoi. Quand tu es parti au Portugal, là, tu as fait combien de temps là-bas? Tu m'appelais? 8 jours. 8 jours. Toi, tu as fait 8 jours là-bas. 8 jours. D'accord. Compte à partir de maintenant, il est multiplié par. Tu es malade. Toi, tu es malade. Tu as déjà dépassé les 8 jours. Ton direct qui sent là. Il est quitté ici. À cause de moi, les gens te connaissent un peu. Je sais. Parce que tes cheveux sont partis. On me connaît. Ouais. Tu es parti. Maudit là, tu es parti. Fallait rester encore. Tu vas voir. Tu as l'île. Tu as l'île aujourd'hui. Je suis très venimeux en ce moment. On dirait que mes hormones sont en train de monter. J'ai une poussée d'hormones. Allô? Bonjour Hassan, bonsoir. Ah frère, c'est toi, tu as mis photo de fille et puis tu t'appelles Lapin Bleu. Ah, ouais. Moi, je voulais te saluer et te féliciter pour toutes tes actions. En vrai, dit, je te suis depuis 2009. J'ai fait ta connaissance sur ODCI, Observateur démocratique de Côte d'Ivoire. Mmh. Tu as commencé à lancer tes actions sociales par le biais du groupe. Mmh. Voilà, j'ai suivi, je fais partie de tes fans jusqu'à de tes premiers fans, je fais partie de tes premiers fans sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'aimerais te féliciter, j'ai fait ton combat, hein. J'ai fait ton combat, souvent quand il y a des critiques de gauche à droite, mmh. Je m'en vais un peu pour donner un peu la preuve de tout ce que j'ai eu à faire comme action. Un peu que j'ai pu rémunérer un peu sur une feuille, souvent par rapport à des trucs à parler. C'est souvent quand tu veux pas lui un combat sans avoir suffisamment de preuves. Ils vont te demander, ah, le gars là, il a fait quoi? Bon, le gars, il a fait quoi? C'est lui qu'on critique là, il a fait quoi? Bon, il a fait tant, il a fait tant. Tout ça, il faut donner des noms quand même. Puis des périodes où ces situations ont pu arriver. Mmh. Voilà, c'est une fierté pour moi. Ça a été, en tout cas, ça a été une fierté pour moi depuis ma présence sur les réseaux sociaux là. C'est des choses vraiment utiles que j'ai fait qui m'ont vraiment fait plaisir, quoi. Voilà. Parce que toi aussi, tu le mérites amplement parce que tu mènes un combat où tu as besoin de certaines personnes aussi pour sécuriser ton derrière aussi souvent sur certains points. Voilà, c'était tout. En tout cas, merci, force à toi. On est ensemble, frère. D'accord, mon gars, merci. Allô? Mmh.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Au fait, il n'y a rien de grave. Depuis un bon moment, j'essaie de monter sur votre live et c'est un peu dur, mais Dieu merci aujourd'hui, c'est passé. Au fait, il n'y a rien de grave. C'est par rapport aux aides, là, j'ai besoin d'aide. Je ne travaille plus. J'essaie un peu de faire d'activité, mais ça ne marche pas. Donc, je voulais savoir si vous pouvez m'aider un peu. Mais si c'est pour avoir un petit travail, mais si c'est pour faire un petit tour pour pouvoir me débrouiller, je vais le faire. Dans quoi, madame? Donc, c'était un peu ça, monsieur. Dans quoi? Dans quoi? Dans un peu de tout, tout ce que je gagne, je vais faire. Tout ce que je gagne, je vais faire. Bon. Tout ce que tu gagnes. Je ne sais pas comment te répondre en fait. Parce que si au moins. Je sais dans quel domaine, peut-être que je peux toucher quelqu'un du domaine. Bon, en fait, je travaillais dans l'immobilier. Je travaillais dans l'immobilier. Je suis de Beaunois. Je travaillais dans l'immobilier. Mais ça n'a pas été le cas parce que bon, c'était un peu bizarre là-bas. Donc, ça fait que j'ai quitté là-bas. Donc, ça fait plus de 6 mois que je suis là. Je ne travaille pas. Une seconde, hein? D'accord. Allô? Allô, oui. Bonsoir. Donc, c'est dans le domaine de l'immobilier, c'est ça? Oui, mais dans le domaine de l'immobilier. Ce que je faisais, et puis je me débrouillais un peu d'un petit commerce, mais ça n'a pas marché aussi. Bon, je vais essayer d'en parler merci autour de vous. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Oui, la maman. Allô? Oui, la maman. Papa Sanayek, reste comme tu es, s'il te plaît. Ne change pas. Ne change pas d'intérêt. Je ne viens pas pour expliquer que j'ai besoin. Non, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. J'ai une maison, j'ai des enfants, je gère bien ma vie, j'ai pas besoin d'aide. Et je voulais juste te féliciter du fait que tu es une personne au grand cœur. Et, merci, maman. Oui, et je veux, et je souhaite, et j'espère que tu restes comme tu es. Et merci d'avoir fait monter Cyril Dié tantôt. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'est comme si tu faisais monter Ado, sa femme. Oh, maman, là, c'est mon petit. Hé, hey, ton petit allô? Comme ton allô, oui? Petit comme moi. Salut, oui, ça va?
Bon, là, il est 1h du matin. Hein. Ah. Ok, écris-moi en WhatsApp, s'il te plaît. Hassan Ayek, je veux t'inviter à Issia, dans mon département, à Gazibo. On fait ça comment? Où ça? À Issia. Je viens de Gazibo. Mm-hmm. Je veux t'inviter là. On fait là, vous êtes à Issia, maman? Je ne suis pas Issia, je suis au Canada. Mais tu vas m'inviter, toi tu vas m'inviter à Issia et puis toi tu n'es pas là. Je t'invite comment et puis je ne suis pas là. J'ai dit je veux t'inviter à Issia dans mon département. Ça veut dire que quand je veux t'inviter, tout est programmé. On fait ça comment? Avec plaisir. Tu es ma mailleur. J'ai dit je veux t'inviter à Issia. Dans mon département, on fait ça comment? Mais quand vous êtes là, on va programmer ça? Non. Il faut qu'on programme quand je ne suis pas là. Et quand j'arrive, on gère. Vous venez quand? Je vais venir le 23 juillet 2024. 3 juillet. Le 23 juillet, j'arrive. D'accord. Non, mais moi, je veux t'inviter, mais étant une personne de grand cœur comme toi, là, je veux t'inviter dans mon village. Je veux avec que les gens de mon village te voient. Je vais aller avec Serré là-bas même. Il vient avec José. Non, je pense pas. Mmh. Là, lui, il est en train de lover avec José là-bas. Quand lui est mon bon village, nous deux, on love. J'adore son love. Son love, là. Ton love est beau. Bon, papa, prends quelqu'un d'autre, on gère. D'accord. Bye. Bye. Bonsoir, papa. Bonsoir. Papa, je me suis causé avec toi beaucoup. Hein. Tu vas m'aider si c'était une chose. Faut causer beaucoup, je t'écoute. Ok, papa Hassan Ayek. Papa, je te vois beaucoup à la télé, beaucoup, tu fais beaucoup, même si les réseaux sociaux, ils te suivent un peu aussi quand même. Voilà. Franchement, dis-moi, je suis dans la musique. Voilà. Je suis dans la musique de vie, tu sais, comme le mouvement un peu du là, donc. Faut activer ta caméra. On a un deuxième tremblé. Voilà. Ok, ouais, papa. Ok. On t'écoute. Frère. Voilà, moi je suis dans la musique. Ouais, okay. Je suis dans la musique, il fait un peu de là. Non, faut chanter. Il fait un peu dans la musique. Bon, hein. Mm-hmm. Ok, il vient, papa. Tu es où dans Benoît là? Lui chante. Hein? Tu es dans ta Benoît? Non, je suis chez moi en maison. Ah non, comme tu es assis, hein. Ok, d'accord, vas-y. Chante. Je suis assis. Mais chanter. Papa oh, Papa Sanaye, Papa Sanaye, depuis longtemps on te voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui tu en dirais des papas. Je passais, je t'ai croisé comme ça, j'ai dit je vais faire un coucou à ce papa qu'on appelle en Sanaye. L'homme au cœur blanc, l'homme t'est toujours prêt pour son prochain oh, celui que même. Papa, je n'ai que ma voix simplement pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse ivoirienne. Je n'ai que ma voix. Que Dieu met sa main sur toi, que tout ce que tu veux, Dieu fasse que ça grandisse. On dirait que le réseau même refuse. Je n'ai que ma voix pour te dire merci, papa. Allez, en mets gogo yibi la moi, n'est-ce pas, c'est ça, papa, pour te la manier. Je mets dans mes draps, je le bonnet pour vous, c'est moi, papa. Je suis là, petit, on dit c'est petit, en fait. Dis l'oiseau, il fait son nid. Non, papa, je n'ai que toi dans la vie. Ok, papa, c'est ça, on s'est fait dans la vie, on s'est débrouillé d'être même plus. Non, c'est fort quand même, c'est fort, ok. C'est fort, oui. Ok, merci papa, merci. J'ai l'impression que Dieu m'a envoyé sur TikTok pour avoir beaucoup d'enfants qui savent chanter comme toi et puis trembler. Merci papa, merci.
Il y a côté Tremblay. Tremblay. Tremblay, que ça fait 2 jours, il chante. Non, non, non. En direct. Bon. Ah oui. Non, je n'ai pas écouté ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui, j'étais vu en direct et dit, fais le live avec toi en même temps. Sinon, actuellement, Tremblay, même Didi B m'a appelé pour me dire, pardon, frère, essaye de doser avec Tremblay parce qu'il est en train de prendre tout sur les réseaux sociaux, or que c'est nous, on a créé le Maïmouna. Bon, hein. Bon, on va travailler. C'est le seul genre que tu peux chanter. Tu t'es pas un peu fait de rap ou bien de reggae? Non, moi je fais pas du reggae, c'est du coupé décalé. Bon, afro pop. Ah, là, ce que tu as chanté, c'est coupé décalé. Il fait de l'afro. Ce que tu as chanté, c'est coupé. Ouais, c'est coupé décalé. Est-ce que je peux écouter quelque chose de l'afro pop? De l'afro pop. Ok, y a pas de problème. Donc je te fais ça en même temps. Oui, bien sûr. Ok. Tu es venu si la tête des hommes n'est pas en vain. Si Dieu a permis que tu sois en vie, c'est pas pour rien. Car la famille compte sur toi. Maman compte sur toi. Papa compte sur toi. La famille compte sur toi. Baramo recherche toi. Baramo grigra. Barama recherche toi, car demain tu riras. Barama recherche toi, Barama regrigra. Donc papa, c'est ça, tu es là. Vraiment, quand j'écoute ta voix comme ça, quand je ferme mes yeux, j'ai l'impression que c'est un mélange de Fali et de Dadju. Ah bon, hein. Il faut que la voix soit juste un peu plus fluide, parce que les articulations sont pas assez bonnes. Mais si tu continues comme ça, tu risques d'être au même niveau que Fali, peut-être même du Mopawan, parce que quand tu chantes, on sent que tu chantes avec le cœur. Ok. Voilà, on voit même surtout par la transpiration qui coule, on sait que tu mets tout ton cœur dedans, donc il y a l'énergie. Ok, merci papa, merci. Et puis tu as une brèche, donc ça te facilite la sortie de l'aération du vent. Tu sais siffler? Pour un peu. Faut siffler, je vais voir. C'est ça, non, papa? C'est ça même. Donc, essaye d'activer la voix. Ok, il n'y a pas de problème, papa. Ton sifflet là m'a tué ce soir. Ah bon, merci, papa. Merci. Ok, mon frère. Il n'y a pas de souci. Tu fais quoi dans la vie à part la chanson? Bon, à part la chanson. J'anime un peu. Je suis un DJ platine. Ok, là, tu es dans quel genre? Je mixe un peu. Ouais, je suis à Yopougon. D'accord. Tu as un numéro Orange Money? Oui, il y a un numéro Orange Money. Je vais t'envoyer quelque chose pour que tu mouilles ta gorge ce soir. Ok, il n'y a pas de problème, papa. Il n'y a pas de problème. Faut bien siffler, je vais voir. Regarde, tu peux même pas siffler. Un garçon qui ne sait pas siffler, c'est pas bon. Comment si la go passe, tu as fait? Voilà. D'accord, donne-moi ton numéro. Okay. Bon, on prend le 07. 57. 30. 14. 61 à la fin. Ok. Tu as reçu? Bon, oui, j'ai reçu un message tout à l'heure, je vais voir.
D'accord. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, merci beaucoup. Merci, papa. On est ensemble. Ok, merci, papa. Merci beaucoup. Ah, Tremblay, on est pour toi fini, hein, frère. Non, moi, je suis rapide. Lui, il sait chanter, il sait siffler. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Tu as payé un congélateur? Oui, oui, j'ai un congélateur. Ça fait combien de temps que tu as payé ton congélateur? Et tu vends quoi? Les jus et puis quoi? Du sable. Mais quand tu fais ça marche, non? Quand tu fais ça sort. Mais normalement, quand tu fais, on paye. Donc, ça te permet de racheter la même marchandise pour refaire encore pour augmenter ton argent. Elle a quel âge? Et toi, tu as quel âge? Tu as une fille de 17 ans. Pendant 4 ans. On dit on t'entend pas, donc descends pour monter. Allô? Allô? Merci d'avoir accepté ma demande, papa. Oui, allô? Merci d'avoir accepté ma demande. Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Je vous ai envoyé plusieurs messages, vous ne m'avez pas répondu. On ne t'entend pas bien, augmente ta voix, s'il te plaît. Je dis, je vous ai laissé plusieurs messages, vous ne m'avez pas répondu. J'ai vraiment besoin de votre aide. Active ta caméra, s'il te plaît. Non, je suis au village, il n'y a pas courant ici. Je viens d'accoucher vraiment. Active ta caméra, s'il te plaît. Les phases là, moi, je n'aime pas. C'est pas parce que tu fais ta voix comme si tu es en train de pleurer que j'ai dit. Non, c'est pas ça, je suis dans le village. Doucement. Active ta caméra et arrête de me raconter ta vie. Je suis dans le noir ou bien je suis au village ou bien c'est pour. Active ta caméra. Sinon, je te fais descendre. Sinon, nous, moi, je peux faire ma voix comme pour toi. Merci de m'avoir fait monter. Ça là, il y a 30 ans de social. Donc, filme ça là. Moi, mais il est créé il y a longtemps. D'accord? Non, c'est ma voix.
Donc, si tu veux pas activer ta caméra, tu vas descendre. Allô? T'as la lumière? On t'écoute. Allô? Je vous ai envoyé plusieurs messages, vous n'avez pas On répondu. t'écoute. Je n'entends pas. J'ai dit on t'écoute. Je n'ai pas demandé si tu m'envoies plusieurs messages ou pas. J'ai dit on t'écoute. Je viens d'accoucher, mon Hein? nouvel ami. On voit un peu. Quand il y a un travail, c'est pas facile. Tu dis quoi? Il est bête, vous ne pouvez pas attendre. Tu as quoi? Allô? Je t'écoute. Je viens d'accoucher nouvellement. Tu viens d'accoucher nouvellement. Mais il y a besoin de quoi elle car il n'arrive pas à travailler. Où est le bébé? Je vais commencer. Il est où le bébé? Le bébé est où? Il est là, il dort. Je peux voir bébé là? Oui. Il faut me montrer le bébé là. Faut pas aller voler les bébés des voisins la nuit là. Comment? Non, rien. Où est le bébé? Il est là, je l'ai montré. Tu m'as montré le bébé. Oui. Est-ce que quelqu'un a vu le bébé, s'il vous plaît? Papa, s'il vous plaît, je voulais vendre. Je voulais vendre pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Faut pas te foutre de moi. C'est français, il te parle. Hein? Je Quand tu as n'entends pas. montré ton bébé à qui? Je viens. Vous l'avez vu. Ça, c'est un bébé qui vient de naître. Il est plus en forme que moi. Il a 4 mois. Ah, comment il vient? Donc, il vient de naître comment? S'il a 4 mois. Non, il a grand détail. Donc. Ah, il est grand de taille. Oui. Tu n'as pas dit la vérité, non? Tu veux que je Quel t'aide? Il faut dire la vérité. Il faut arrêter de faire tes films de merde là. Qu'au bébé, je viens d'accoucher. Bébé, bébé, je viens d'accoucher. Donc, le bébé est né il a 4 mois. Non, il a 4 mois. L'enfant que toi tu as montré, il te dit il n'a pas 4 mois. Il a Tu me dis 4 mois. qu'il est grand de taille. Jean, lui, il fait quoi? Vous le tirez la nuit et puis il n'a qu'à devenir long. Voilà. Maintenant, tu veux Il quoi? y a juste Et pourquoi tu besoin dis tu viens d'accoucher? Non. Non, mais quoi? Quoi? Faut te demander l'aide. Tu n'as pas besoin de mentir pour dire que je viens d'accoucher. Non, je ne mens pas. Je ne peux pas vous mentir. Si je veux vous demander de l'aide, Je je peux te vous jure que ton demander. bébé de 4 mois, s'il m'a tété, moi, il va me faire évanouir. Un bébé de Non, 4 c'est mois. mon enfant de 4 mois. Je vous le jure, je suis Dieu. Donc, c'est pas maintenant que tu as accouché, ça fait 4 mois. Je t'écoute, maintenant tu veux quoi? Je voulais vous faire passer pour gagner le travail. Là, c'est pas facile. Où est le bébé? Où est le papa de l'enfant? Je ne suis plus avec lui. Toi, tu as quel âge? 19 ans. Toi, tu n'as pas 19 ans. Si. Tu as connu le papa là-haut? Comment? Tu as connu son papa là-haut? Abidjan, mais Jean, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis gourou, lui, il est peu. Donc, ils n'ont pas accepté. Il est peul guinéen, quoi. Oui. C'est oui, c'est eux qui accouchent les enfants long, long, là, c'est ça? Ils ont pas accepté. Maintenant, j'allaite l'enfant. Là, quand je demande travail, on me dit non, que je l'allaite, il ne peut pas travailler. Pourtant, actuellement, c'est dur.
Et tu veux vendre quoi? Je voulais vendre poisson. Hein? Poisson, poisson. Tu es dans quel village? Comment? Tu es dans quel village? Saint-Franc. Tu es à Saint-Franc? Oui. Et pourquoi il n'y a pas de courant à Saint-Franc? Non, c'est pas ça. Il y a courant seulement que j'ai dans notre village là pour avoir courant. C'est pas facile. Mais comment tu veux vendre poisson? Tu vas mettre ça où pour pouvoir vendre? Si tu dois congeler, il n'y a pas courant chez vous. Non, au marché. Au marché, là, il y a le frigo. Tu vas mettre chez les gens, quoi. Oui, oui. Ma chérie, excuse-moi, mais je ne crois même pas à ton histoire. Je suis désolé pour toi. Je ne crois même pas une minute à ton histoire. Même une seconde, même une, papa. Tu ne crois pas ton histoire. Je suis désolé. Je ne crois pas ton histoire. Je suis désolé. Le père. Bonsoir, Vasa. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Vasan. Je vais trouver bon. Tu connais comment on appelle cette couleur? Ta chose, papa. Tu veux là, tu connais comment on appelle cette couleur? Je connais pas. Hein. On appelle ça vert, Tiffany. Ah, non, on connaît pas, on a mis ça comme ça. C'était fini, la quantité était finie. Ou bien c'est un modèle de fromage comme ça. Non, il y a attaché ça en haut. Non, en fait, je pense que ça devait être un peu devant. Et puis, ah, ma cheveux devant. Il n'y a pas de cheveux. En fait, tu es comme moi. C'est-à-dire que pour toi, là, on appelle moitié-moitié. C'est ça même. C'est ça même. Donc, si moi je perce mon nez, tu vas devenir à centre de courant. On peut faire ça. On t'écoute. Bon, moi j'ai un souci. Bon, là où il est vent, là, c'est le bord, c'est au bord de la route. Bon, ils sont en train de nous chasser. Ils sont en train de nous chasser. Il n'est pas là pour prendre maladie. Donc, je voudrais que tu mettes à prendre mon magasin au moins et que je vais vendre. C'est où? Tu veux prendre un magasin où? Alors là, c'est question des magasins de toi. Ah ben bref, bon, je suis sur la route de Dabou là. Tu as déjà trouvé un magasin? Non, non, je n'ai pas encore trouvé. Maintenant, quand tu trouves un magasin, on te parle des cautions en même temps, donc. Il n'y a pas caution, donc il n'est pas encore commencé à chercher. Tu vends quoi?
Il vend poisson la braise. Il vend poisson la braise. C'est ce que je fais. Il vend poisson à la braise. Oui. C'est quel genre de poisson? J'ai fait cap, APF et Apollo brisé. Souvent, j'ai fait les poissons de eau douce aussi. Je les braise et les fais en soupe. Tu t'es coiffé où? Là-bas ou bien tu es parti à Assini pour te coiffer? Ça a même moi ça ici, j'ai fait. Ça a même moi ça ici, mais je suis pressée. Et modèle ça là, ça coûte combien à peu près? Est-ce que pour moi là, on peut faire un prix? Combien? Non, ça là, c'est ma soeur qui a fait. Pour moi ici, comme ça là, ça pousse un peu. Est-ce que ça peut attraper? Je vais aller demander ce qu'elle a fait pour moi là, je vais lui demander si elle peut faire. C'est Yakuba. Je suis guéri. L'ancien de Sérédier quoi. Ouais. Ça veut dire que si tu mets ta main comme ça là, et puis tu fais comme ça là, les gens vont croire que c'est moi qui mets ta main moi-même. Comme ça, il voit tout comme ça. Et on dirait qu'il aime faire pas là. Non, j'aime pas pas là. Il n'y a pas par là vous. Non. Donc, faut demander au moins magasin là. D'accord. Toi, garçon, tu te rires. C'est vous comme ça là, quand vous êtes avec un garçon. Parlons, va bien. Ton gars est où? Ton chéri est où? Je suis à mes enfants. Mais. Je vis à mes enfants. Ton mari est où? Ton mari. Je ne suis pas. Je ne suis pas marié, le père. C'est ça. C'est ça. Je ne suis pas marié. Mais tu n'as pas de chérie, quoi. Non, ça ne m'intéresse pas, au fait. Ça ne t'intéresse pas comment? Enfant que tu as eu là, tu as pris comprimé pour avoir enfant. Mais c'était avant. C'était avant. Maintenant, tellement qu'il a été choqué jusqu'à il dit maintenant, là, il me concentrer sur ma vie. Tu as combien d'enfants? Toi aussi, il y a de quoi pour dire qu'il faut te concentrer sur ta vie. Là, vous ne dormez pas la nuit. Oui, c'est. 5. Oui, 5.
C'est le minimum que... Moi, j'en ai deux et puis Harry, j'en ai cinq. Non, j'ai vite fait, j'ai vite fait mes enfants. Ils ont quel âge et quel âge? La première a 19 ans. La deuxième a 16 ans. Le troisième a 4 ans. Les derniers, ils ont les jumeaux, ils ont 4 ans. Toi, t'as quel âge? Bientôt 34. Ta fille a 19 ans. Donc, toi, tu as eu ta fille à 15 ans. J'ai fait à 15 ans. Ah, oui, j'ai fait ma première fille à 15 ans. 15 ans. Ouais, c'était un danger. 15 ans. Si tu continues déjà dans ce système-là, tu pourrais, toi, tu ne veux plus avoir enfant, c'est le monsieur qui allait tomber enceinte. D'accord, peux-tu demander le prix du magasin et puis tu as donné une autre fois le coup. Monsieur le boss David, bonjour. Oui, bonjour. Les personnes. Oui, bonjour. J'ai activé ma caméra. C'est vrai que ma coiffure va vous déranger un peu. Non, non, c'est très joli. Je trouve que c'est bien peigné. Bon, moi, je ne sais pas comment vous faites les lives comme ça pour aider les personnes. Et de suite, elle est en train de scroller sur TikTok un peu comme. Il avait couru, peu couru ici. Voilà. C'est là que j'ai tombé sur votre live, mais je me suis arrêté de voir. Moi, il fait déjà, ici dans l'Afrique, il vend un peu les t-shirts. Premier choix. Voilà. Mais il n'y a pas de place. C'est-à-dire, il prend et puis je suis à la maison, il fait les vidéos, il poste sur WhatsApp. Il envoie à des amis de poster, puis s'il y a des clients, ils vont arriver vivant. Mais j'ai bien fait un moment, parce que je viens de perdre mon pardon, je ne sais pas trop si je suis venu le jeudi passé. Donc, bon, c'est un peu difficile, parce que ça ne marche pas tout. Maintenant, les vêtements que j'ai aussi, ce n'est pas trop ça. Et puis, ce qui est mis dedans, c'est petit, souvent, peut même 30 000, 40 000, mais hein, ça forme les dépenses en plus que les bénéfices. Mais toi, tu dis tu t'appelles monsieur le boss. Moi, je pensais que tu venais me donner un peu d'argent. Bon, on dit quoi? Moi, peut-être dans le futur, il me voit dans le futur en tant qu'un boss, donc je mets un taux, un nom qui va agir sur moi. Un nom qui va agir sur toi. Oui, depuis il y a 9 ans, il y a ce nom. Le boss. Oui, le boss. C'était le boss. C'était boss et boss. Mais après, il a changé, puis il a fait monsieur le boss, David. Ah, c'était le boss des boss. Boss et boss. Boss et boss. Et depuis, quand t'appelais boss, c'est boss, ça agit sur toi ou pas? Bon, oui, ça agit. T'as quel âge maintenant? J'ai 25 ans. 25 ans? Oui. Et tu es dans quelle zone? Je suis à Yopougon-Koué.
Le Pogon Kouette, ok. Donc là, tu m'as dit que tu fais les ventes de friperies, c'est ça? Oui, t-shirt. Là, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Où est le t-shirt que tu vends? Bon, il n'y a pas assez de place ici. Donc, il laisse ça chez ma chérie. Donc, comme ça tente à un petit coin de onglerie, donc je dépose ça là-bas. Et puis, le matin, il va là-bas, s'il y a des clients, il va là-bas récupérer pour aller livrer. Tu es un grouilleur, quoi. C'est ça. Un vrai grouilleur ou bien. Un vrai grouilleur. Avant, il achetait les articles au supermarché bon prix, les riz, huile et tout ça. Puis il venait revendre et donner aux femmes du quartier. Mmh. Et puis elles, les femmes qui ont besoin de riz pour aller préparer à la maison, bien les femmes qui vendent, qui mangent tout, ils donnaient. Et puis chaque semaine, ils passaient pour ramasser l'argent. Puis ils veulent acheter encore, ils enlèvent mes bénéfices, ils veulent acheter encore, ils viennent livrer. Mais ça, c'est difficile ici. Parce que quand tu fais ça, les femmes vont te fatiguer. Quand toi-même, tes bénéfices, mais tu n'as rien senti dedans. Donc, quand là, tu veux les dire, en faisant un crédit, pour qu'elles ne vont pas sentir, mais finalement. Donc, toi, tu tournes avec combien de fonds de commerce en ce moment? Je ne comprends pas. En ce moment, c'est quoi ton fonds de commerce avec lequel tu vas acheter? Bon, il a arrêté de faire ça parce que ça ne m'arrangeait plus. Et les femmes, souvent, un tour d'une semaine, ça veut dire un mois avec elles. Donc, ça ne m'arrangeait plus. Donc, quand il commençait, il y avait 350 000. Riz, qui va te prendre riz et puis le supermarché. Souvent, il voit des réductions chez Jumia. Là, tu dis que tu vends les brodes premier choix, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et là, tu tournes avec combien? 50 000. Et ça va, tu t'en sors? Non, ça ne peut pas. Je ne peux pas m'en sortir ça parce que les bénéfices avant peu. Je prends les t-shirts souvent à 1400. Mais souvent, si c'est trop bientôt, je dis 1300 maintenant. Quand il veut. Il n'y a pas l'enjeu de balle. Donc, 1400, quand il vend ça à 2000, c'est au moins 600. Si il choisit un bon aussi, il peut vendre ça à 2500. Là, comme ça, il y a au moins 1000 francs, ou même 1100 francs. Mm-hmm. Non, pour quelqu'un qui a pris 4, 5 t-shirts, il peut lui faire une réduction dessus. D'accord. Est-ce que tu joues au Paris sportif? Moi, oui, souvent je joue au Paris sportif. Moi, aujourd'hui même, il a joué. Et puis, tu es fier? Non, bon, c'est pas parce que je suis fier. Ouais. C'est pas qu'il a utilisé le code promo de quelqu'un pour faire mon. Moi, j'ai joué Betclic il y a longtemps, depuis avant même cette histoire de Betclic. Bon. Et tu as gagné ou tu as perdu? Hein? Tu as gagné ou tu as perdu? Aujourd'hui, avant, il a perdu. J'avais décidé de jouer sur deux équipes, et puis au dernier moment, un ami m'a appelé pour me dire. Il y a une équipe là, eux aussi, ils sont bons donc de jouer là-bas. Bon, finalement, les deux équipes ont joué, victoire de City et puis 3 buts de Real. Okay. C'est rentré, mais 2 buts de Giron n'est pas rentré. Donc, il a perdu finalement. Je vais te poser une question très, très simple. Okay. Toi, tu es Hassan, c'est quoi ton nom, frère? Moi, c'est David. David. Oui. D'accord. Toi, tu es Hassan et moi, je suis David. Oui. Et Hassan et David vont venir te demander à toi. Oui. Pardon, j'ai besoin d'aide. Oui. Et toi, tu vas découvrir que moi, je fais des paris sportifs. Pourtant, oui. Je cherche de l'aide pour pouvoir développer mon business. En toute sincérité, toi à ma place, tu aurais aidé la personne? Bon. En toute sincérité. En toute sincérité, oui, oui. Je peux dire, bon, moi, je trouve pas les paris sortis bon, comme un tour de négatif. Mais il y a suivi une de vos vidéos
où vous avez parlé de des paris sportifs, des promotions de paris sportifs où vous pouvez même gagner des millions par mois. Alors, je suis tombé sur cette vidéo là. Après ça, c'est ça, je suis tombé sur votre live. Vous avez parlé de publicité, de boissons énergisantes, tout. Bon, moi-même, il y avait arrêté pendant un moment de jeu paris sportifs. C'est aujourd'hui que encore il y a vu un bon match. J'ai dit bon, attends, essayez de jouer, peut-être que je vais gagner. Et puis jouer comme ça. Mais bon, moi, je suis monté sur le live, c'était pas pour parler de dire de m'aider. Il y a une fille qui avait parlé de Chita que elle a un enfant, elle avait besoin d'argent. Donc, moi, je voulais parler de ça, mais bon, peut-être qu'il a trouvé ça un peu. Peut-être qu'elle est déjà passée, vous n'allez pas pouvoir la retrouver. Et puis, lui écrit tout. Donc, il a évité de parler de ça. Sinon, ce qu'elle a dit, ou elle a dit que non, elle pouvait mettre les poissons là dans le réfrigérateur ou mâcher quelque part là-bas. Dans d'autres villages, moi je suis de l'ouest, je suis de Fakobli. David. Dans d'autres villages, voilà, Fakobli derrière moi. David. Dans d'autres. Oui. Tu es un enfant de la rue, je suis un enfant de la rue. Donc faut pas voyager à mon esprit. Faut laisser la fille. Je l'ai pris en live. On s'est dit ce qu'on s'est dit. Et puis je l'ai boué. Maintenant, il y a toi et puis il y a moi. Moi, mon problème, c'est que j'aime les grouilleurs. Et surtout quand les grouilleurs sont sincères. Parce que tu pouvais me dire, non, je suis pas, je parie pas, mais tu m'as dit que tu paries. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, toi-même, tu dis que le business, là, ton argent ne te permet pas de faire grandir ton business. Est-ce que cet argent que tu mets dans ces paris sportifs, tu ne penses pas que tu peux développer cet argent dans autre chose? C'est vrai, c'est vrai. Tu ne penses pas que tu peux économiser un peu pour agrandir ton business? Parce que il y a des gens qui peuvent avoir l'amusement de parier, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'argent, frère. Aujourd'hui, tu as parié pour combien? J'ai parié 800. D'accord. Donc, toi, tu tournes avec 50 000 francs. Mmh. 800 francs, là, c'est 2% de toute ta Côte d'Ivoire. Parce que je pense que toute ta Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 50 000 francs, c'est ton fonds de commerce. Donc, 800 francs, c'est 2% de ta vie que tu allais perdre aujourd'hui. Un clic. Parce que si je te dis pas ça, tu vas pas prendre conscience de la chose en fait. Ok? Tu vas pas prendre part de la chose. Si moi je joue 800 francs ou bien 1000 francs, je peux dire que c'est 0,001 de mon capital parce que j'ai deux restaurants. Le capital, c'est pas seulement l'argent, c'est le restaurant. Toi, tu n'as pas de maison. Tu payes loyer. Non, je pas pour, encore pour ma maison. Je vis chez mes parents. Je vis chez ma maman. Oui. Donc aujourd'hui, on est en une phase où tu ne peux pas continuer à 25 ans de dire je vis chez mes parents. C'est ça. Quand tu fais ton calcul, tu as perdu combien dans les paris sportifs? C'est-à-dire, quand tu réfléchis comme ça, là, c'est-à-dire, tu as perdu beaucoup, combien? Moins 600 000, quand même. Combien? 600 000. Au moins 600 000. Au moins 600 000. Au moins 600 000. Ça veut dire que toi, tu as perdu plus de. Et quoi? 50 000 fois 12. Plus de 120 fois. Plus de 12 fois. Ton argent, ton capital aujourd'hui. Ça t'a envoyé où, frère? À pas créer la misère. À pas être assis chez toi à la maison et puis te dire, là, je vais parier encore tout de suite pour que je puisse rattraper l'argent que j'ai perdu. Parce que je pense que tu joues aujourd'hui, ce n'est plus une passion, mais tu joues pour rattraper l'argent que tu as perdu. Ça.
Et tu te dis toujours, je veux jouer pour rattraper l'argent que j'ai perdu. Dès que je gagne, j'arrête. C'est ça, non? On peut se faire confiance? Oui. Tu es sûr qu'on peut se faire confiance? Oui. Tu as une parole ou tu as deux paroles? Il y a une parole. Une seule parole. Une seule parole. Je promets, il est où même? Il est parti. Tu promets que tu vas désinstaller les jeux de Paris Sportif? Oui, il n'est pas l'application, mais sur mon téléphone. C'est sur Google les jeux. Est-ce que tu promets que tu vas arrêter? Oui. Promis, juré? Oui. Habituellement, je ne crois pas aux paris et aux dits des paris. Mais je vais faire exception à la règle ce soir parce que j'aime les grouilleurs et j'aime la sincérité des grouilleurs. Ok? Parce que je pense, si on veut aller sur... Moi-même, BetClic a fermé mon compte parce qu'il y a eu, il a fait une activité. Hein. Donc, BetClic, aujourd'hui, c'est le compte de mon ami où vous jouez. Je ne jouais pas, mais ça devait être que je jouais 3 semaines. Quoi. Qu'est-ce que je te dis? Parce que réellement, devant Dieu aujourd'hui, même si celle qui a parlé de son enfant, elle a menti sur certaines choses, je pense qu'elle mérite de l'aide par rapport à son enfant plus que toi. C'est ça. Mais sauf que en la différence entre toi et elle, toi tu es en train de te noyer et si on n'essaye pas de te sauver, tu vas te noyer et tu vas noyer tes parents chez qui tu vis jusqu'à là aujourd'hui parce que si tu avais travaillé avec les 600 000 que tu allais perdre dans les paris sportifs, aujourd'hui tu aurais ta maison et puis tu aurais multiplié ton business. Nous sommes aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui disent, quand moi je les envoie de l'argent, Dieu bénit leur travail. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Nous sommes le 15 mai aujourd'hui. Moi, je vais multiplier ton argent en deux. C'est-à-dire que toi, tu travailles avec 50 000. Moi, je vais t'envoyer 50 000 pour que ça devienne 100 000. Et devant tout le monde ici, le 15 juin prochain, nous avons rendez-vous, toi et moi, sur cette même toile, sur ce même panel, pour que tu nous montres si tu as pu développer tes 100 000. Si tu as foutu la merde dans tes 100 000, et qu'est-ce que tu es capable de faire avec cet argent? Et après ce résultat, nous allons voir comment voir que pouvoir peut-être t'aider à acheter une balle complète de brode. D'accord? D'accord. Et avec la fille que tu as, ça fait combien de temps? Hein? Et avec ta copine, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant. Et tu penses pas qu'il est temps que toi et elle, vous puissiez vivre ensemble, au lieu que tu vives à 25 ans chez tes parents? Oui, au fait, j'étais en train de me préparer pour ça, et puis la mort de mon vieux, de mon père, sur. D'accord, donne-moi ton numéro, frère. 07. 00 16 hein? 16 hein? 16 68 38 88 88 07 00 16 68 88, c'est ça?
C'est ça. Tu as reçu les 50 000? Et il y a aussi. D'accord, frère. Merci. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous le mois prochain, le 15. D'accord. D'accord. J'espère que tu es un homme de parole. Oui. Et j'espère que tu vas respecter ta parole. Oui. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de souci. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Et continue de prier. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Alors, je vais faire monter une dernière personne. Je t'ai rentré pour dormir tôt aujourd'hui. Allô? Bonsoir, papa Hassan. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu merci. Attendez que je me mette dans la lumière. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis Laetitia, je suis dans la commune de Pauve. Et depuis un certain moment, je reçois les aides financières, que ce soit financière ou pas, je ne sais vraiment pas. Et moi, j'ai besoin vraiment de votre aide. Mon aide dans quoi? J'ai pas compris en fait. Bon, je suis à la recherche d'un emploi. Vu que j'ai un BTS en RHCOM, j'ai un bac plus en RHCOM. Et j'ai fait plusieurs stages sans avoir de recul. Fait dans plusieurs entreprises sans avoir de retour. Et comment ça m'a vraiment choqué jusqu'à présent que ma dernière entreprise, j'ai fait les stages, je n'ai pas encore eu de retour. Ça fait pratiquement 6 mois que je n'ai pas encore eu de retour et je suis à la maison même. Je me débrouille dans mes business. Laissez-moi votre CV en inbox, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour le père. Bonjour. Oui, ça va. Ça va et toi? Le père, il y a besoin de votre lettre. De quoi? J'ai besoin de votre aide aussi. Je vais renforcer mon petit commerce. Faut payer béton, tu vas mettre en bas. Pardon. Je vends le sac à main. Mais ça fait que quelqu'un, c'est elle là-dedans, je vais renforcer un peu. D'accord. Tu veux renforcer un peu? Oui. Je suis à Boboté. D'accord. Devant la cour, c'est goudron ou bien c'est y a caillou?
Il y a guidron. D'accord, faut voir les petits briques là. Quand tu ouvres ça, là, tu mets dedans, ça a renforcé un peu. Hein. Là, tu as la télévision, elle est derrière, tu as nounou. Tu as Wi-Fi qu'on paye par mois 25 000 ou 24 000. Là, tu as venu t'asseoir. Je vais renforcer. Faut renforcer. Renforce. Allô. Allô, oui. Moi, je vous ai écrit en inbox. Quand ça? Aujourd'hui. Je vais pas visiter encore mon inbox aujourd'hui. Ok. Mais après, c'est possible d'aller visiter, s'il vous plaît. D'accord, je vais aller visiter tout okay, à l'heure. Merci, c'est gentil. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Pardon, vous êtes dans quel pays? Au Guinée-Bissau. Ok, moi je voulais vous proposer quelque chose. Hein. Je veux que vous m'aidez à aller dans un hôpital. Je vais donner une somme de 400 000 francs. Vous m'aidez à aller dans un hôpital et pour aider les personnes qui n'ont pas d'argent pour payer leurs médicaments à l'hôpital. Désolée, je parle anglais, hein, ça cause ça. Activez votre caméra, madame. Pardon? Activez votre caméra. Pour ma sécurité, je ne peux pas le faire. Pour votre sécurité? Oui. D'accord. Est-ce que vous allez m'aider à faire ça comme ça? Je vous suis après, je vous fais un dépôt, vous allez m'aider à le faire. Je suis en Côte d'Ivoire, madame. Je sais bien. Je sais bien que vous êtes en Côte d'Ivoire et je veux que vous m'aidez à le faire dans les grands hôpitaux, s'il vous plaît. Vous voulez soigner quoi? Un cas dernier, vous voulez soigner quoi exactement? Non.
donner à les gens qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas l'argent pour payer leurs médicaments à l'hôpital? Médicaments ou bien on achète à manger et puis on va leur donner aux familles et aux enfants à manger. Que des médicaments. Oui, mais les gens qui n'ont rien à l'hôpital, par exemple, il y a l'hôpital ici au Ghana, qui a les gens qui n'ont rien pour payer à manger ou bien pour payer, ils sont très malades, ils ne peuvent pas payer les médicaments. Vous êtes de quelle origine, maman? Moi, je viens du Ghana. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, je me suis abonné à vous. Est-ce que c'est possible que vous allez le faire après ce live? On va parler de ça. Comme ça, après, vous pouvez me faire un petit vidéo. Toi, tu n'as pas peur. Toi, tu as peur pour ta sécurité. Et moi, il n'est pas peur pour ma sécurité pour te faire. Vous êtes un star, hein? Les gens vous connaissent déjà. Vous êtes un star. Moi, je suis pas star, moi. Il n'y a pas de souci. On va s'écrire en inbox. D'accord, ça marche bien. Thank you very much. I really appreciate that. God bless you. Merci. Merci bien. T'as même tu dis que au Ghana, comme au Ghana, il y a des gens aussi qui ont besoin d'argent dans les hôpitaux. Mais toi, tu veux laisser le Ghana, qui est ton pays d'origine, pour m'envoyer moi l'argent que tu as vu sur les réseaux sociaux. Allô. Pour que moi j'aille prendre des médicaments pour envoyer ça à Abidjan. Si je multiplie 2 fois 2, ça fait 12. D'accord, j'ai compris. La capricieuse, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. En fait, moi je ne suis pas montée pour demander de l'aide. Je suis montée, c'est juste pour te remercier. Parce que c'est la première fois que je passe. Et je passais juste par hasard. Je suis tombée sur ton live et j'ai vu la manière dont tu aidais les gens et tout. Et tu as bien fait de les poser des questions pour qu'ils mettent leur caméra et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Merci beaucoup, la compréhension. C'est seulement, c'était juste pour ça que j'ai fait. Tu as un accent sénégalais. Oui, je suis sénégalaise. Tu es à Dakar ou en Europe? Non, je suis à Thiès. C'est une autre région. Pas loin de Dakar. Au Sénégal, quoi. Oui, c'est au Sénégal. Non, d'accord. Bientôt même, j'arrive au Sénégal. Ah, c'est bien. Tu seras le bienvenu de toute façon. Merci beaucoup. Merci. Allez, bye bye. Merci. Donc, si je comprends bien, après un dernier, si je comprends bien, tu me donnes un exemple du Ghana. Et tu es ghanéenne. Et tu me dis souvent au Ghana, comme ça se passe au Ghana, des gens sont dans les hôpitaux et ils n'ont pas l'argent. Maintenant, toi, tu vas te lever pour que moi, je m'envoie 400 000 sans vouloir activer ta caméra parce que toi, tu as peur de ça, ta sécurité. Pour ta sécurité, les gens, moi, je dois rentrer avec toi en inbox pour que moi, je t'envoie une vidéo pour que je te confirme que c'est moi. D'accord. Muriel Regina, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien.
Ça va, ça va. Ok, il n'y a rien de grave. Moi, je suis commerçante. J'aimerais que vous fassiez ma publicité, si possible. Je vends les articles de femmes. Habits, chaussures, sacs, pommades. Active ta caméra, tu as le droit de faire tout ce que tu veux comme publicité, sauf la pommade. Je ne suis pas habillée. Donc, vous me parlez quand vous n'êtes pas habillé comment? Tu as fait ta publicité comment en fait? En fait, j'ai un logo. Donc, je ne sais pas si je dois vous envoyer ça en inbox. C'est 2 h du matin. Allô? 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 Oui, bonsoir. Donc, tu es sur le live avec nous en ce moment. Et puis... Et donc, c'est pour ça que tu vas m'appeler à 2 h du matin sur mon téléphone. Pour que là, j'accepte ta demande, en fait, si je comprends bien. Toi, avec la Ghanéenne qui m'a écrit là, c'est qui est Malo même? C'est quel nom? Faut m'expliquer en même temps, pardon, explique-moi en même temps. Comme tu es déjà là, explique-moi en même temps. Une cave, hein? Envoie-moi ça en WhatsApp, s'il vous plaît. Merci. Attends, je vais te bloquer d'abord. Voilà. Muriel. Voyez que vous exagérez, il est 2 h du matin. Tu es ici en direct, tu n'as pas eu la chance de monter. Tu vas m'appeler sur mon téléphone parce que toi tu as vu mon téléphone, mon numéro, je ne sais pas. Mais pourquoi? Pourquoi? On va prendre une dernière personne. Bonjour papa, c'est Raël. Allô? Bonsoir. Oui, bonjour papa. Moi j'ai vraiment besoin de votre aide. Bon, je ne sais pas si je dois. Au fait, cette année, j'ai passé le concours de l'INFAS bon, de direct. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai un oncle, un jeune homme qui m'a demandé de constituer mes dossiers pour le privé. Et j'ai envoyé mes dossiers. Grâce à Dieu, ça a marché. Mais c'est le vendredi là que le message est venu. Parce que pour le privé, il faut d'abord recevoir un message pour le matricule partiel. Donc j'ai reçu le message. Mais mon problème actuellement est que vu que c'est mon oncle qui voulait m'aider pour la scolarité et tout, lui, il est décédé. Donc actuellement, j'ai vraiment besoin d'argent pour mon inscription. Moi, je n'ai que 200 000 chez moi. Mais pour l'inscription, il faut avoir au moins 450 000 sur ton compte Trésor pour pouvoir payer parce qu'on demande d'aller. Isidore, bonjour. Oui, bonjour. D'accord, je t'écoute. Ça fait une D'accord, heure je que t'écoute. tu fais le même commentaire.
Je suis cinéaste, je suis cinéaste, je suis cinéaste, d'accord, je t'écoute, frère. D'accord. Je m'appelle Isidore. Et mon rêve, en fait, c'est. Je me suis lancé dans le cinéma après les diplômes. Et j'ai déjà fait mes preuves dans quelques séries et courts-métrages et longs-métrages. Donc, bon, je suis tombé sur votre live. Je ne sais pas. J'étais tombé sur votre live et je vois que vous aimez tellement le milieu artistique, tout ce qui est chant et autres. Je ne sais pas si vous intervenez également. Excuse-moi, Zidane avec moi en ligne. Salut, oui, ouais. Ça va, je vois tes commentaires depuis tout à l'heure. Je joue bien au foot, oui. Bon, ça va, oui. Hein? J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Ton commentaire, tu joues bien au foot. Oui, donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi, frère? Non, papa, je suis un jeune joueur amateur, ivoirien. Je joue bien au foot. J'ai besoin de suivi. Hein? J'ai besoin de suivi. Genre, quand tu prends un ballon de foot, tu cours, nous, on n'a qu'à courir derrière toi. Non. Au fait, j'ai bien reçu quelqu'un qui peut me suivre, quoi. Puis bien m'encadrer. T'encadrer, genre, tu arrêtes sur le terrain et puis on dessine un cadre autour de toi, quoi. Non, une personne de bonne moralité. Donc, faut bien m'expliquer parce que je comprends pas trop, en fait. Ok, en fait, je vais bien parler. Je vais parler de quelqu'un dans le milieu du foot qui peut m'encadrer puisque je joue au foot. Il sait déjà jouer, beaucoup d'hommes me le disent. J'ai besoin d'une personne vraiment qui peut m'aider à réaliser mon rêve. D'accord. Active ta caméra, je vais voir quelque chose. D'accord. Ah, tu es carrément habillé en agi au cerf la nuit pour nous montrer que tu aimes le foot. Sinon, tu fais quelle taille? Je fais 1m73. Tu joues à quel poste? Milieu défensif, offensif. Milieu défensif et offensif. C'est rapide? Oui, oui. Tu fais combien à l'heure? Bon, j'ai pas calculé. Quand tu regardes comme ça, tu fais combien à l'heure? Combien de kilomètres? Sincèrement, j'ai pas calculé. Tu chausses combien? 40. Et tu as quel âge? J'ai 15 ans, je vais me 16 ans du 14 juin. C'est âge de football ou bien c'est comme l'âge du petit Camerounais là? Non. Voilà le foot. L'âge. Tu as des vidéos que tu as déjà fait dans des matchs? C'est ça du tout un problème. Vu que nous jouons dans un centre de formation, on va souvent, c'est un peu sur des terrains, bon, pas bien praticables. Et qui t'a dit que tu joues bien? Plein de personnes, plein de personnes. Même. Est-ce que c'est. Bon, même qui? Plein de personnes. Non, prenons par exemple l'artiste de Bordeaux. Avec lui, bien, souvent les gens jouent bien. Bon, ça va. C'est de Bordeaux, toi tu écoutes et puis il va te dire tu joues bien. Non, je prends pour exemple quoi. Comme vous avez dit qui comme ça. Une personne. Il me dit je joue bien. Je sais, aller voir mes parents. Je dis vois, tu joues bien. Et autres. Je voulais que je joue au foot. Malheureusement, j'ai décidé. Qui ça? Lui qui voulait à tout prix que je joue au foot, par lui qui me soutenait avec des chaussures, des maillots. Même ma grand-mère me disait, toi, tous les jours, tu achètes que des maillots, des chaussures du foot, ton fils. Bon, lui aussi, malheureusement, j'ai décidé.
Comme ça, j'ai pu. J'ai un problème de chaussures. Non, donc, sincèrement, quand vous mentez, que au moins, je n'ai pas de problème de chaussures. J'ai deux chaussures, mais comme on le fait deux aussi, les chaussures ne doivent pas rentrer. Sinon, actuellement, j'ai deux chaussures. Toi et moi, on chausse à peu près la même chose. J'allais te donner une chaussure. Sinon, actuellement, j'ai deux chaussures. D'accord. Et le centre de formation se trouve où? Le centre de formation se trouve à Hongrie. À Hongrie? Oui. Je ne connais pas ce centre de formation, mais moi aussi j'ai joué au foot un moment professionnel. Où exactement? Au complexe d'Hongrie. Vous vous entraînez chaque temps et quand? Donc ça dépend du lundi au jeudi ou du mardi au jeudi. Parce que les lundis, souvent nous partons à la plage. Donc quand nous partons à la plage les lundis, on nous entraîne. Et vous courez quoi sur le sable mou là? Voilà, pour s'entraîner. Pour former les muscles et les jambiers. Voilà. Quand on fait la plage le lundi, c'est le mardi que nous reprenons. Et quand il n'y a pas la plage le lundi, nous reprenons le mardi. D'accord. Que je ne te promets rien, mais Serré tout à l'heure était ici. Si Serré vient, on va essayer de partir un jour à ce centre de formation pour essayer de te voir jouer. Oh. Stéphane Adjé, je t'écoute, frère. Tu chantes bien, tu as un son pour moi. Je ne sais pas si j'ai cassé balle de chanson dans ces temps-ci sur les réseaux. Chante. Bonsoir, le père. Bonsoir. Oui, moi, c'est Jérémy. Mm-hmm. Oui, c'est mon grand frère, depuis il est en train d'envoyer le message pour que je puisse aussi exprimer mon talent, quoi. Je suis un jeune, je suis un jeune qui interprète beaucoup les chants et j'aimerais aussi lancer une carrière et côté musique. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On t'écoute. Donc, si vous voulez, je peux vous proposer quelque chose. On t'écoute. D'accord. Oh, one love, one love. Oh, one love, one love. Saying give thanks and praise to the Lord, and that we'll be all right. Oh, let's get together and be all right. Give thanks and praise to the Lord, and that we'll be all right. Oh, let's get together. C'est bien mon petit, c'est fort, c'est top. Reste connecté. Rock Secret Mix Boutique, tu m'as fait chier pendant 2 heures en me disant que c'est un sujet assez important, assez urgent. J'espère pour toi que c'est assez important et assez urgent. Je t'écoute. Bonsoir papa. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va. Déjà, merci pour ce que vous faites pour la nation, merci pour de m'avoir fait monter. Mm-hmm. En fait, le sujet dont je veux parler, c'est pas assez urgent, mais c'est un sujet, je peux dire, c'est important pour faut des parler, mères qui en font. Faut parler. D'accord. Moi, je me nomme Koussoubé Rakis. Mm-hmm. Voilà, je suis mère d'une fille de 4 ans. Mm-hmm. J'ai constaté l'handicap de mon enfant à l'âge de 2 ans. Mmh. Et j'ai constaté qu'elle souffrait d'une surdité de perception bilatérale profonde. D'une quoi? Voilà. Une surdité de perception bilatérale profonde. Mmh. Voilà. Je vous avais même fait part de la situation et vous m'avez fait un retour. Mmh. Voilà. En fait, j'ai déjà fait les différents examens, les différents scanners et autres. Et l'interprétation de ces examens-là sont pour demain. Mmh. En fait, je veux parler de ce sujet pour que, comme vous êtes un homme qui aide vraiment les gens, vous êtes un homme qui,
qui vous souciez vraiment de plusieurs cas, de vraiment prendre ce cas-là au sérieux. Parce que je sais peut-être pour ma fille, après l'interprétation, je sais que peut-être ça ne sera pas possible parce qu'elle a déjà dépassé l'âge. Voilà. Donc, c'est concernant ça parce qu'il y a plusieurs cas sur ce sujet-là. Voilà, plusieurs personnes qui parlent de cette maladie, mais je ne vois pas cette maladie sur la toile. Je ne vois pas les gens parler de ça parce que le coût de cette opération est vraiment énorme. Mm-hmm. Voilà, c'est juste ça. Sinon, ce n'est pas un cas qui est urgent. Le coût de cette opération varie de 8 à 15 millions. C'est ça. Et le plateau technique en Côte d'Ivoire, c'est pas toujours, il permet de le faire. Et la réussite de cette opération est mitigée. D'accord. Donc, il y a un certain délai d'âge, quand tu dépasses, ce n'est plus possible parce qu'il y a eu le développement de certaines choses. Oui, l'âge de 5 ans. Voilà. Malheureusement aussi, lorsqu'il y a des opérations, la réussite n'est pas forcément toujours au rendez-vous. C'est vrai qu'on essaye de faire. Mais je vais m'excuser pour ce que je vais dire. J'espère que vous allez pas mal le prendre. Mais mettez-vous à ma place. D'accord. Aujourd'hui, Dieu merci, on va dire, malheureusement aussi, la fille, c'est que ce genre de cas a un problème d'ouïe, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entendre ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est ça. Mais leur corps fonctionne, leur cœur fonctionne, et tout fonctionne. C'est vrai que c'est un sens qui est primordial pour la vie. C'est ça. Qui n'est pas forcément vital. Mm-hmm. Donc, lorsque vous êtes à ma place, madame, et que vous êtes obligé de mettre 15 millions entre 8 et 15 millions pour soigner, et que nous avons des opérations sur la table, où malheureusement, si on n'intervient pas sur le coup tout de suite, la personne, elle décède. C'est ça. Vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Franchement, je vais aider les cas qui sont vraiment urgents, parce que cette maladie-là, ce n'est pas une maladie qui est assez urgente, mais c'est important. Et malheureusement, c'est ce qui se passe réellement avec nous aujourd'hui, parce que on n'arrive même pas à souffler. C'est ça. Tu vois, c'est pas genre, tu fais une opération aujourd'hui, et puis tu vas dire aux autres malades, attendez-moi 15 jours, ne tombez pas malade maintenant pour qu'on puisse aider X ou Y. Malheureusement, je suis confronté par jour à plus de 100 ou 200 sollicitations. Mm-hmm. Et malheureusement, je comprends la réaction des gens. Ceux qui sont fâchés sont plus que ceux qui sont contents. Et je comprends la détresse, mais malheureusement, je ne peux pas tout faire. C'est ça. Et depuis 3 mois où je vous parle, depuis que la Coupe d'Afrique est finie, mon travail ne fonctionne pas du tout. Dieu merci, j'ai des petits contrats publicitaires qui me permettent de garder un peu la tête en haut. J'ai quand même une famille à nourrir, j'ai mes enfants et j'ai mes parents. C'est ça. Donc, entre ça et entre vouloir faire plaisir aux jeunes et entre vouloir pousser les jeunes à travailler. Et je vous jure, j'ai dû faire même un post sur mon Facebook pour dire que si la personne n'est pas un peu forte, c'est 3 mois, il y a longtemps, certaines sociétés allaient fermer. C'est ça. Voilà. Et je vous jure que ça fait 3 mois, même nos charges, on ne les fait pas sortir. Mm-hmm. Sauf que moi, dans mes restaurants, j'ai des fois 13, 14, 15 personnes que je dois payer leur salaire, les charges, le courant qui a multiplié fois 2. Donc, je ne me dis pas le souci depuis 3 mois aujourd'hui.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pour ça que là, je passe un peu, chaque jour, je fais 2 ou 3 lives sur TikTok pour essayer d'évacuer le stress qui m'attend. Tout à fait. Voilà, le stress qui m'attend au boulot, le stress qui m'attend aux gens, le stress qui m'attend à la maison, les factures, les impayés. Et tu es là sur les réseaux sociaux aussi. Quand tu écoutes un peu l'histoire de certaines personnes, tu te dis que toi, aujourd'hui, tu as un problème de 2, 3, 4 millions des charges où chaque mois, tu dois verser X ou Y. Et tu vas venir là sur les réseaux. Quelqu'un va t'expliquer un problème de 20 000 ou 30 000. Tu oublies même ton problème. C'est ça, c'est ça. Je vois une personne qui me dit, mais fais la pub de tes restos. Pour faire quoi, frère? Vous oubliez la méchanceté de l'être humain. C'est ça encore, ils n'ont pas dit de moi. Ils n'ont pas dit que je fais la pub de mon resto et après ils vont dire quoi? Que je soigne les gens pour que les gens viennent manger chez moi au restaurant. Tout à fait, l'homme noir. Je connais comment les gens réfléchissent. Vous voulez que je m'asseye pour dire, mais venez manger chez moi, voilà mes restaurants. C'est-à-dire que, pour que demain encore, les mêmes vont sortir pour dire à Hassan Hayek, il soigne les gens pour que les gens viennent marcher chez lui au restaurant. C'est pas ça le problème. C'est le problème est que aujourd'hui nous devons être dans une histoire d'entraide par rapport au cas que vous avez. Je pense que le mieux, c'est de pouvoir aujourd'hui se mettre ensemble pour pousser l'État à pouvoir directement prendre en charge ce type de maladie. Voilà, ce type de maladie, parce que c'est assez compliqué, c'est assez cher. Et si tu n'as pas malheureusement beaucoup d'argent, tu ne peux pas, parce que même après l'opération, il y a un très gros suivi derrière et beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire et beaucoup d'examens à faire après. Il y a des machines à acheter et tout ça. Donc, je pense que c'est le combat à mener. Malheureusement, moi, je ne peux malheureusement pas en ce moment intervenir. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Hein. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une exclusivité. D'accord. Le plus gros cas qu'on a eu à traiter, et mon gars Hussein Kassem, je pense, ou il est sur le direct, ou bien je ne pense pas, mais il est vivant, tout le monde peut le demander. Le plus gros direct et cas, le plus gros cas qu'on a traité, et on n'en a jamais parlé sur les réseaux sociaux, il nous a coûté 5 millions. Waouh! Voilà. Et si je pense que si il y a eu un reportage qui a été fait à l'hôpital mère-enfant. Oui, oui. Et ce jour-là, Assalfo était là-bas et il a pris une photo avec une petite fille. Et cette petite fille, c'est parce que on l'avait pris en charge, elle avait un sarcome. Et on avait fini de l'envoyer au Liban pour la soigner. C'est 105 millions. Waouh! Waouh! Et quand on l'a ramené ici, pour son suivi, elle est restée à mère-enfant. Donc, c'est pas tout, mais je vais pas dire que c'est une erreur qu'on a faite, mais dans les décisions, on comprend souvent qu'on comprend pas pourquoi. Oui, c'est une vie, vous avez sauvé, c'est une vie. Oui, mais après, tu sais que même si tu sauves cette vie, tu l'as sauvée juste pour un an. Tu l'as sauvée pour maximum 2 ans. Wow. Et il y a beaucoup de questions où tu t'assois, tu te poses après, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que ces 100 millions ne veulent pas soigner 100 personnes? Est-ce que il y a beaucoup de choses, vous savez, on souffre en silence. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, c'est pas facile.
gérer votre vie, gérer la vie des autres, c'est vraiment pas facile. Mais que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. D'agrandir vos activités. Merci. Amen. Le chanteur. Il le fait. Allez, on va te laisser chanter une dernière chanson pour que les gens te connaissent encore. D'accord. Avant de couper ce direct là. D'accord. La 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 la. Ouvre les frontières, ouvre les frontières. Ouvre les frontières, ouvre les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvre-nous la porte. Ouvre les frontières, ouvre les frontières. Ouvre les frontières, ouvre les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous. Venez sans rendez-vous, nous voulons travailler et aussi voyager. Mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser, apprendre un bon métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut pas d'un ici car nous sommes tous en train de péter les plans. Oh. Ouvre les frontières, laissez-nous passer les frontières. Laissez-nous passer, oh, pour remplir notre dos. Les femmes. Ni même une goutte de pluie. Les femmes. Et alors, je veux. Il faut couper le son là un peu. J'ai dit, oh, quand tu es trop comme ça, il faut faire attention, sinon tu vas avoir une hernie. Il faut aller mourir. D'accord, il fait. Je pense que tu as mieux performé. Tu as mieux performé sur Bob Marley en anglais. Oui. Ça, il faut que tu bosses dessus ou bien tu n'arrives pas à suivre le rythme comme il faut. Mais sur le Bob Marley, c'était plus percutant. Oui. Donc, il faut que tu bosses réellement Tikenja, parce que Tikenja, les gens pensent que c'est facile à chanter alors que c'est très difficile à chanter. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai même des répertoires et en anglais aussi. Mm-hmm. J'ai bossé sur des chants en anglais. D'accord. Depuis là, tu mets des beats. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose en a cappella? Je vais voir. En a cappella? Ok. Ok. Tu es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Tu es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux, est-ce que c'est moi que tu vois? J'ai envie de savoir quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse sans voix? Oh, la petite escalée, je me la canté au tonneau, elle va goûter le chocolat, allez. On va s'enlacer dans le lit, faire bouger les loquettos, faire le bruit de malheur. Oh. Tu es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Tu es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre.
Un soldat est tombé, la petite m'a dompté, circule comme un poison dans tes veines, si loin que tu voudras, je t'amène. Un soldat est tombé, la petite m'a dompté, circule comme un poison dans tes veines, si loin que tu voudras, je t'amène. Oh, tu es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Oh, oh. Tu es comme un pirate que je laisse monter à bord. Au final, on se fera la guerre jusqu'à la mort. Oh, oh. C'est bien. C'est bien, je pense. Mais ils font les concours de Voice ici. Pourquoi tu poses pas ta candidature? Bon. La candidature cette année là, j'étais pas en fait informé. D'ici à ma rencontre, c'était déjà lancé. Donc je suis venu un peu en retard, j'ai pas pu m'inscrire. Écoute, l'année prochaine on va voir comment on va pouvoir inscrire les choses. D'accord, d'accord. Maintenant et j'aimerais aussi me performer plus et comme on appelle à l'école INSAC, puisque c'est mon rêve, hein, c'est mon rêve. J'ai fréquenté à l'Ouest. Et depuis l'Ouest, et j'avais même dit à mon papa que comment je vais finir avec mon diplôme de bac là. Et j'aimerais continuer à l'école INSAC, mais il y a un sérieux problème là-bas. Donc c'est pour cette raison que je suis encore à la maison et je travaille un peu sur les tests. Tu n'es pas évolué encore. Voilà, c'est un peu le problème. Ça se voit par l'accent. C'est ça. C'est un peu le et problème. Bon, béninois. Béninois. Les deux parents, mais je suis né ici. D'accord, mais essaye de faire Zamou, ils vont oublier. Ah, les bêtes, non. Moi, mes parents sont chrétiens. Là, voilà. Mes parents sont pasteurs. C'est ça le problème, en fait. Il faut que tu sois ivoirien pour intégrer. Ouais, c'est ça. Maintenant, on est parti. Ils ont dit qu'il y a deux volets. Il y a côté ivoirien et côté, et qu'on appelle non ivoirien. On est parti là-bas. Ils ont dit non, pour faire la licence seulement, il faut au moins payer sur. Et qu'on appelle 2 millions sur 3 ans pour faire la licence. Donc, ça fait depuis quelques années, bon, je suis là comme ça et j'essaie de performer comme ça. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Tu sais jouer quoi comme instrument, le piano. Je joue bien au piano. Ok, écris-moi inbox. D'accord, ok. D'accord. D'accord, je me suis déjà abonné à vous aussi. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.